Everybody at home. Sorry. Okay, so we are actually recording that, as you heard it. Hopefully everybody at home can hear me well. Well, hopefully I have absolutely no idea. Before we move to the first session, a bit of housekeeping here. You can follow the conference either in French or in English. There should be a little planet where you can choose the language. So please help yourself. You have either French or English. I'll be speaking in English mainly, but some of the people here will be speaking French, and you can obviously follow everything. Thanks to our great translators. I'll switch some from time to time to French, but at home you can follow us. Don't worry if you're on the English channel, everything I say in French will be translated. Donc, juste quelques mots pour ceux qui nous suivent en français. Ne vous en faites pas. Vous avez la traduction. Vous avez une petite planète, normalement, en bas de votre écran. Vous pouvez choisir la langue. Donc, vous pouvez vous organiser. Je vous laisse quelques secondes pour vous organiser, pour que tout le monde se connecte. Parce qu'on va commencer en grand, évidemment. Donc, normalement, tout le monde a fait les réglages. Hope you guys have found the little planet so that you can follow everything in English. Before we move to the first session, it's a real honor to welcome here the president of Surfrider Association Europe, Gilles Asenjo. Gilles, the floor is yours. Merci Anne-Laure. Je suis très heureux, très fier. Très heureux de participer ce soir à cette conférence et très fier que tant de gens de qualité aient accepté notre invitation, l'invitation de Surfrider, pour venir s'exprimer sur ce sujet. Un sujet qui passionne notre communauté, hein, au-delà même du surfeur que je suis, toute la communauté Surfrider est vraiment très intéressée par ce sujet et un peu interloquée, se pose beaucoup de questions. C'est un sujet clivant. Puisqu'on sait on sait quels sont les bienfaits des protecteurs solaires, on commence à en découvrir leurs méfaits. Enfin, on commence. Et du coup, je vais, moi, commencer par, j'espère ne pas vous décevoir, en vous disant que non, je ne pense pas que ce soir, on vous aura dit qu'il faut acheter telle ou telle crème. Je ne pense pas que ce soit le but de l'intervention. Par contre, ce qu'on aime bien faire à Surfrider, c'est tenir ce sorte de rôle de média, si je peux me le permettre, d'inviter autour de la table des gens qui savent, des gens qui cherchent et des gens qui sont intéressés, donc des professionnels, des institutions, des simples citoyens et des experts qui vont chacun leur tour vous donner des avis et nous donner des avis pour que nous devenions des consommateurs dans ce domaine comme dans pas mal d'autres qui nous intéressent, éclairés. On fera notre choix pour faire, je ne sais pas quel est le terme, au mieux ou au moins pire, mais voilà le but de cette conférence et je suis persuadé qu'on atteindra quelque chose là-dessus. Et voilà, je voulais terminer par un petit truc un peu privé qui me tient à cœur. C'est un copain qui était avocat d'affaires, banquier d'affaires, c'est peut-être encore pire, à Paris, et qui a décidé un jour de tout arrêter et de vivre sa passion. Il est descendu à Biarritz avec sa famille, il a voulu vivre du surf et rendre au surf ce qu'il lui avait apporté et s'engager dans l'environnement. Jean-Marc a rejoint Surfrider, c'était un administrateur de Surfrider et c'est devenu un très bon copain. Et de banquier d'affaires, il a changé de métier et il a décidé de faire des produits solaires bio à base de produits locaux et de se lancer là-dedans parce qu'il trouvait que c'était quelque chose qu'il fallait faire. Y a-t-il des morales à cette histoire? Je ne sais pas. La première des morales, c'est qu'à Surfrider, on peut être partout. C'est comme ça qu'on se renseigne, c'est comme ça qu'on devient des experts. C'est par l'intérieur. Surfrider, c'est comme ça qu'on nous présente, c'est une association atypique. Des gens comme Jean-Marc étaient atypiques. Et voilà, j'adore ça. J'adore ce Surfrider, je ne vous l'ai pas dit encore. Voilà, et la dernière chose, c'est que Jean-Marc n'avait pas trouvé la formule idéale. Mais je suis sûr qu'il cherchait. Le problème, c'est qu'il ne trouvera pas
parce qu'il est mort il n'y a pas très longtemps. La maladie l'a gravement emporté, donc je pense beaucoup à lui ce soir. Et je me permets à la fois personnellement et humblement de lui dédier cette conférence, pour le cas où il nous regarde, de là où il est. Merci. So for him, we will try to do our best to find the right solution. So we will move to the first session, environmental and earth impacts of sunscreens. And I will be welcoming two people who are following us from their home. First of all, Dr. Craig Downs is the executive director of the Eretticus Environmental Laboratory. He should be with us. Dr. Jérôme Labie is a research director at the French National Scientific Research Center, le CNRS, and at the CEREG laboratory at the University of Aix-Marseille. And here with us, we're going to have Dr. Jean-Pascal Quod. He is the director of the ARVAM, Agence pour la Recherche et la Valorisation Maritime, whose objective is the sustainable management and valorization of marine resources. Docteur, si vous voulez bien venir me rejoindre. And Else Brugman, who is the head policy and enforcement at Euroconsumers, a leading consumer cluster that gathers five national consumer organizations. Else, if you can join us. Si je peux avoir le retour de nos participants en ligne. Dr. Craig Downs, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Great, amazing. Everything is working. That's amazing. Thank you so much. So there are so many myths and so many misinformation about UV filters. Maybe we can begin with you and you can explain us what are the chemical filters we find in sunscreen. I mean, please go ahead. Sure. So, someone's going to have to put my slideshow up. On va commencer avec les slides. Just one second. It happens. Yeah, no worries. Here we are. Can you see them? Great. Yes, I can see them. Thank you so much. And thank you for inviting me. So next slide. So we'll start off with the mantra that the dose makes the poison. So water, chemicals, oil, heavy metals, they only have toxicity at a particular concentration. And in the last 30 years, what we've seen is huge amount of tourism to our coastal regions. And this is just one example of the mass tourism that occurs on our beaches. Next slide. And it's not just swimmers getting into the water, it's also people applying sunscreen in the hundreds and thousands on the beach itself. And a lot of that sunscreen will get onto the sand. And every time it rains, it washes that sunscreen into the water. Next slide. And what we're seeing in the last 30 to 40 years associated with tourism are a lot of dead coral reefs and a lot of dead marine habitats. Next slide. And the example I want to show is Maya Bay in Thailand. So I was there 30 years ago as a young adult. It was very beautiful. It hadn't been overwhelmed with tourism. Next slide. But in 2015, that little 20-hectare bay that's quite enclosed, it's enclosed, there's only a small mouth where we see flushing, saw 1.5 million visitors in 2015. It increased to 2.5 million visitors in 2018. So you get a huge amount of people. Next slide. And all those people are usually Western Caucasian tourists who like to wear only bikinis or swim trunks, and they'll use a lot of sunscreen. So
Maya Bay would see about 5,000 swimmers per day. And you can do a estimation of how much sunscreen actually goes in that water by measuring the amount of sunscreen a person puts on themselves. They stay there for 4 hours. And you can see that you get a very large accumulation of both sunscreens as well as the sunscreen ingredients that we're talking about. You know, for example, Maya Bay can see over almost 4,000 kilograms of oxybenzone per year. It's a huge amount in an enclosed bay. Next slide, please. Maya Bay was dying and the death was accelerating. So resource managers closed the bay. They don't allow swimmers into the bay. They don't allow boats into the bay. Next slide, please. And what they saw was that the bay quickly recovered as soon as 6 months after they closed it. They saw a return of sea urchins, especially juvenile sea urchins. They saw a regrowth of seagrass, and that makes a lot of sense when we understand what some of these UV chemicals do to seagrass and algae. They were seeing regrowth and restoration of coral. And they even noticed that the sand was clean. The texture of the sand had changed. And that's because sunscreens produce a huge amount of surfactants when they get into the water. And that film coats everything. Next slide. So the big question is your sunscreen poisoning the ocean? Next slide. And so what we know of sunscreens, we have a variety of different types of technological platforms, from aerosol or spray sunscreens, from milks to lotions to even powdery dust. And some sunscreens actually are formulated with insecticides and insect repellents. Next slide. So we'll focus in on just the active SPF ingredients, the UV absorbers. And for this talk, we'll just focus in on oxybenzone. It seems 10 to 15 years ago, it was the most popular chemical in sunscreens. Next slide. So sunscreen pollution, where does it come from? We can actually see the sunscreen sheen, especially in older oil-based formulations. So we know it comes from swimmers. Next slide. We are just publishing a study showing that beach showers are a major source of sunscreen pollution. So people put sunscreens on, they wash themselves there, right there on the beach. And every time it rains, if it's not plumbed to a wastewater treatment sewage system, it goes right back into the water. Next slide. Sewage outfalls, sewage discharges are one of the biggest sources of sunscreen chemicals. Of environmental contamination. And that's because it stays on our body and it comes off, but also it's absorbed into our body at very high concentrations and we excrete it in urine. And so it can, you know, come out through the toilet and out into the sewage and into the environment. Next slide. So what's the impact? And the impact is kind of fairly well known. There's been hundreds of papers now published on the impact of oxybenzone and other sunscreen chemicals on aquatic organisms. In corals, oxybenzone can cause a coral to bleach at a non-heat stress temperature. It will deform coral planula. It causes DNA damage. And most importantly, it prevents corals from restoring or coming back into an area. So it's a direct challenge to coral reef conservation. Next slide. What's less known is the impact on fish. And there's actually been about 3 to 4 times more scientific studies of these sunscreens on the impact of fish. And like corals, oxybenzone can be extremely toxic at low concentrations to fish larvae. Oxybenzone is an estrogen mimetic. It's an endocrine disruptor, and it will mimic estrogen. So when fish are exposed to estrogen or an estrogen mimetic, it will cause the male fish to turn into females. Next slide. What's less known is that many of these sunscreen chemicals
are very toxic to plants, whether they're seagrasses or algae. But here's an example where somebody sprayed an oxybenzone sunscreen onto their ankles and feet, and it killed the grass around them. Next slide. And this has a huge impact on seagrass and macroalgae because those are keystone species for food in the food chain at coral reefs and other type of high tourist areas because, for example, sea turtles feed on them. And there's areas in Hawaii where seagrass and macroalgae have disappeared and the juvenile sea turtles, which were once popular in these bays, do not come into the bay. Next slide. As I said, we focused on oxybenzone, but there is a number of sunscreen chemicals that show toxicities at environmentally relevant concentrations. And those include, for example, nanotized zinc oxide and titanium dioxide, octocrylene, actinisate, and many of these chemicals can have half-lives in the environment from 3 months to 2 to 3 years. Next slide. Sunscreens can also interact and reduce an ecosystem's resiliency to climate change. So for example, oxybenzone and heat stress, especially associated with El Nino and La Nina, high sea surface temperatures can cause corals to bleach at lower temperatures. It makes juveniles weaker, so there's less restoration and increases the period of sterility in a coral and in a fish. And it reduces the recovery, for example, like a hurricane causing damage after the major damage event. So you see less recovery, and this is one of the reasons why we're seeing less and less reefs recovering. Next slide. There's, like climate change, there's an additive effect. Many of these sunscreens are hydrophobic chemicals, and they like to latch onto marine debris plastic. Next slide. And that marine debris plastic will concentrate those UV sunscreen chemicals as well as other type of pesticides onto the plastic. So a fish or coral or an oyster will eat that plastic that is contaminated with oxybenzone or other type of sunscreen chemicals. And we see an increase in the number of toxic effects. One of the things that we're seeing associated, for example, with genotoxicity, meaning damage to the DNA or endocrine disruption, is what we call zombies. Next slide. And so we're seeing coral reef zombies, and these are, you see the adult organisms, but they're not reproductively viable. They're sterile. And what this means is that we're not going to see the end of that coral reef in 1 year or 2 years' time. We're going to see it over generational time, because the next generation is not coming over to that coral, to that area, and preserving and restoring that reef system. Next slide. Oxybenzone just has an impact not just on marine organisms and aquatic organisms. It also has an impact on humans. It is readily absorbed through the skin of humans, especially children, and in genital areas where skin absorption is the greatest. And there are some fairly good studies that are arguing that exposure to oxybenzone and some of these other chemicals cause, for example, Hirschsprung's birth defects. Next slide. Oh, I think you have an old slideshow that I sent. So that's the end of my talk. I was just asked to talk about impacts. So thank you for having me. And if you have any questions afterwards, happy to answer them. Thank you so much, Dr. Craig Downs. We'll come back to you with questions, probably many questions after what you explained to us. It's actually pretty obvious what the impacts of some UV filters are on the aquatic ecosystems. We'll move to Dr. Jérôme Labille. Docteur, l'impact des filtres UV sur les eaux de baignade en général, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? On l'a vu dans la présentation déjà de Craig Downs. Est-ce que vous voulez approfondir la question? Bonjour, bonsoir. Oui, absolument.
Est-ce que vous voulez que je démarre mon diaporama? Allez-y. Pour introduire je vous laisse gérer vos micros. Normalement, cela devrait marcher. Je vous laisse me confirmer que vous voyez mes... Tout est parfait. La diapo en plein écran. Bien, bonsoir à tous. Je me présente en quelques mots tout d'abord. Donc, je suis effectivement directeur de recherche au CNRS à Aix-en-Provence. Je suis physico-chimiste de l'environnement et j'ai été recruté au CNRS en 2005 sur une problématique émergente qui était le risque lié aux nanotechnologies, émergente en 2005. Et je me suis assez vite intéressé à ce cas d'étude que sont les crèmes solaires qui contiennent des nanoparticules. Et aujourd'hui, ça fait donc 15 ans en fait, que je m'intéresse à l'impact environnemental des nanoparticules utilisées comme filtres UV dans les crèmes solaires, et non plus seulement des nanos, mais également des filtres UV organiques, puisque en fait, c'est d'ailleurs par ce message-là que je voudrais démarrer avec ce schéma, pour vous passer quelques notions en introduction. Tout d'abord, quelques notions sur ce que c'est une crème solaire. Vous le savez certainement, c'est une émulsion d'huile et d'eau, l'une dans l'autre, mais dans un sens ou dans l'autre, eau dans l'huile ou huile dans eau, les deux existent sur le marché. Les deux sont utilisés. Il faut savoir que les filtres UV peuvent être dispersés soit dans la phase huileuse, soit dans la phase aqueuse de la crème, mais pour cela, on va les sélectionner ou bien leur donner des propriétés de surface qui sont plutôt hydrophiles ou hydrophobes pour aller dans la phase huile ou dans la phase aqueuse. Et pourquoi je vous précise cela ? C'est tout simplement parce que lorsqu'on va se poser la question du devenir dans l'environnement de ces sous-produits de crème solaire, eh bien, bien sûr que leur affinité pour le milieu aqueux va jouer un rôle déterminant. Donc ici, sur la droite, je vous ai schématisé un peu, selon moi, les trois scénarios principaux que peuvent suivre des filtres UV. Alors, j'ai représenté en vert des minéraux, donc des filtres UV minéraux. Je rappelle que ça peut être soit TiO2 ou ZNO, ou bien en hexagone rouge des filtres UV organiques. Alors là, je ne vais pas vous les lister parce qu'il y en a une longue liste. Mais retenez bien qu'il existe ces deux familles parce qu'on reviendra là-dessus. Donc, les trois scénarios, c'est bien soit nos filtres UV se dispersent dans la phase aqueuse et sont transportés, bioaccessibles à tous les êtres vivants qui vivent en suspension. Ça, c'est ce que j'appelle le transport dans la colonne d'eau. Ou bien ils peuvent s'agréger, soit entre eux, soit avec les particules minérales naturelles, et ce qui va favoriser leur sédimentation in situ. Mais ça implique donc qu'il y a une plus forte concentration sur cette zone. Et puis le troisième scénario, on l'a tous observé, mais on n'en parle pas beaucoup, c'est ce qui flotte à la surface de la pellicule d'eau, cette pellicule hydrophobe, huileuse. Alors ça peut être dû à l'hydrophobie des filtres, mais ça peut être aussi dû à la matrice de la formule cosmétique qui reste associée au filtre UV et qui, elle aussi, peut avoir des propriétés huileuses. Ensuite, ce que je voudrais introduire comme définition, c'est celle du risque. Le collègue Craig Downs l'a bien introduit. En fait, quand on parle de risque, il y a deux volets. Il y a l'exposition et puis il y a la toxicité. Moi, mon métier me spécialise davantage sur la mesure de l'exposition, puisque je vais étudier le devenir de ces filtres UV dans l'environnement. Et donc, ce qui va me permettre de mieux comprendre les concentrations dans ces différents compartiments. Donc, pour résumer, ce que je disais, c'est qu'on a différents devenirs qui vont dépendre de la dispersion des sous-produits lors du bain, dans l'eau de baignade. Cela dépend fortement de l'hydrophobie, hydrophilie des filtres UV qui sont utilisés, et également de la chimie de l'eau. Bon, ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et le dernier message que je voudrais dire aussi, c'est que c'est une question. Quel est finalement le plus sûr de ces trois scénarios ? Je vais vous décevoir, comme ça a été dit tout à l'heure en introduction. Je ne sais pas encore répondre à cette question parce que finalement, si on les reprend un par un, on s'aperçoit que, OK, ici, dans la colonne d'eau, on est facilement bioaccessible aux organismes qui vivent en suspension, mais on est fortement dilué puisque ça va être transporté partout dans l'océan. Alors que lorsque ça sédimente, on va avoir des concentrations beaucoup plus fortes localement et auxquelles vont être exposés les organismes benthiques, donc qui vivent dans le sédiment. Donc, ce n'est pas mieux. En fait, je ne sais pas ce qui est, en termes de risque, justement, ce qui est le mieux. Et puis, le dernier scénario, j'ai envie de dire, en fait, on ne sait pas du tout quel est le risque associé à ce type d'exposition parce qu'il y a très peu d'études qui le prend en compte
une pollution qui flotte à la surface, donc qui n'expose pas directement les organismes, mais qui peut avoir des conséquences pour justement les coraux, par exemple, qui vivent à faible profondeur. Alors, une campagne de terrain que j'ai réalisée, que je voudrais vous présenter ici en deux diapos, sur une plage de Marseille, trois plages en fait, en 2017. Alors peut-être que certains d'entre vous la reconnaîtront, puisque c'est ici que je suis entré en contact avec Surfrider Foundation la première fois. C'est la plage du Prophète à Marseille, sous la corniche, avec les locaux. Alors moi, j'ai les locaux de Surfrider qui sont juste à côté. Nous avons mené sur cette plage une étude à la fois sociétale, qui visait à compter le nombre de baigneurs et analyser les produits solaires qu'ils consomment. Et d'autre part, nous avons analysé l'eau afin de vérifier si on retrouvait, quelle concentration de filtres UV on retrouvait dans l'eau de baignade. Alors, il y a trois zones d'échantillonnage qui sont Basing Zone 1, BZ1, Basing Zone 2, donc ces deux-là sont dans la zone de baignade qui est délimitée par les pointillés jaunes, et puis Beyond the Basing Zone, au-delà, donc, qui est supposé être un bruit de fond naturel. Et donc, quelques chiffres déjà. Il y a 3000 baigneurs qui passent sur cette plage par jour. C'est une toute petite plage, comme vous pouvez le voir, mais quand même achalandée. Notre estimation de consommation de crème solaire, d'après l'enquête, nous révèle qu'il y a 52 kg consommés par jour et qui va se baigner de crème solaire. Et puis, si on considère un pourcentage de l'ordre de 5 à 10% de filtres UV dans la crème solaire, c'est un pourcentage massique, eh bien, ça nous fait une quinzaine de kilogrammes potentiellement, je dis bien, relargués par jour. Et ça, c'est l'estimation théorique d'après le nombre de baigneurs. Avant de vous révéler l'analyse d'eau, voici le pattern des filtres UV qui étaient consommés sur cette plage à travers une centaine de produits qui ont été inventoriés. Ce que je veux vous dire, c'est que justement, on voit que certains filtres sont très, très abondants sur le marché. C'est la Vomazone notamment, qui est présent dans 80% des produits. Tous ceux-ci sont des filtres organiques, alors que les filtres minéraux sont présents dans le TiO2 dans 20% des produits. Donc, on peut retenir que les filtres minéraux sont attendus à une concentration 4 fois plus faible, donc 20 pour 80, et puis commencer à faire des estimations sur le relargage et la masse de TiO2 que l'on peut s'attendre à retrouver avec des valeurs en grammes par jour de l'ordre de 600 grammes pour les minéraux et jusqu'à 2,6 kg pour la vomazone le plus abondant. Mais ce n'est pas du tout ce qui a été retrouvé dans l'eau, en fin de compte. Alors ici, ce sont les résultats pour les filtres minéraux. Ils sont exprimés en microgrammes par litre. On distingue les concentrations dans la colonne d'eau en jaune, donc sur les trois distances, et puis les concentrations dans la pellicule de surface qui a également été échantillonnée. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, pour le TiO2, par exemple, c'est que c'est essentiellement dans la zone de baignade que l'on va retrouver nos filtres UV, mais également largement surconcentré dans la couche de surface qui fait un centimètre maximum à flotter en surface. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, les concentrations qui sont retrouvées ici, en fait, nous amènent à un recouvrement par rapport à notre prédiction de l'ordre de 50%. Donc, on est pas mal. 50%, c'est très proche de ce qu'on avait estimé théoriquement. En revanche, pour ce qui est des filtres organiques, voici les résultats, juste pour l'avobenzone et l'octocrylène qui ont été analysés. Je précise que l'unité n'est pas la même. Maintenant, on est passé en nanogrammes par litre. Ça veut dire qu'on est 1000 fois plus dilué. On s'attendait à trouver 4 fois plus d'avobenzone. Finalement, on en est à 1000 fois moins. Je ne m'attarde pas trop sur la répartition dans les zones de baignade parce que c'est un peu plus compliqué à comprendre. Mais vous voyez qu'il y en a, certaines molécules vont être retrouvées dans la colonne d'eau, d'autres, plus, comme l'octocrylène, plus concentrées dans la couche de surface. Mais c'est assez complexe à interpréter pour l'instant. En tout cas, un recouvrement qui est très, très faible par rapport à ce qu'on s'attendait. Donc, qui pose de nouvelles questions en termes d'exposition dans l'environnement, parce que cela nous révèle que les filtres UV organiques sont beaucoup moins présents en exposition dans l'environnement. Pour compléter cette approche de terrain, nous avons réalisé une approche de laboratoire qui visait à quantifier avec une quantité de filtres UV donnés, connus à l'origine, ce qu'ils deviennent dans l'eau lorsqu'on les agite dans de l'eau de mer. C'est un test de vieillissement en conditions de laboratoire bien contrôlées dans de l'eau de mer. Et pour cela, on a comparé deux filtres UV. Tous les deux sont des dioxydes de titane. Et ce vers quoi je veux attirer votre attention ici, c'est l'effet de l'enrobage du TiO2. Le TiO2 n'est jamais utilisé pur dans les filtres UV, mais toujours enrobé.
Ici, c'est de l'acide stéarique, par exemple, et de l'alumine, qui lui donne un caractère hydrophobe. Alors que là, on a un produit hydrophile grâce à un enrobage de silice. Donc, on comprend que l'un va dans l'huile, l'autre va dans l'eau. Et lorsque l'on va agiter ça dans l'eau de mer, eh bien, vous avez les flèches ici qui vous représentent les quantités que l'on retrouve en surface et au fond. En fait, finalement, à la fin, ce qu'on retrouve après 24 heures d'agitation, c'est que 100% de notre filtre hydrophobe se retrouve à flotter en surface et 100% de notre filtre hydrophile se retrouve agrégé et sédimenté au fond du bécher. Donc ça, c'est un résultat qui n'est pas surprenant, en fait, du fait de la propriété de surface initiale du filtre UV. Mais c'est quelque chose à avoir en tête lorsqu'on va considérer quel type de filtre est le plus safe pour l'environnement. Et puis, une dernière diapo que je voulais vous présenter, toujours pour accentuer sur l'importance de ce filtre UV. Je viens de vous dire du coating sur les nanoparticules de dioxyde de titane. L'importance de ce coating contrôle non seulement l'exposition, comme on vient de le voir, à travers l'hydrophobie, l'hydrophilie, mais contrôle également la toxicité potentiellement, parce que la durée de vie de ce coating, une fois relargué dans l'environnement, va faire que s'il se dégrade, eh bien, on va se retrouver avec une chimie de dioxyde de titane pur. Et c'est exactement, alors je vous présente ici le pire scénario que j'ai pu mesurer avec différents filtres UV que j'ai testés. Il se trouve que celui-là a un coating qui est très fragile dans l'eau de mer. La silice s'est dissoute. Il était très fin, très fragile. C'est ce que nous montre cette mesure du silicium dissous au cours du temps. Dans 48 heures, on a dissous 50% du silice, de la silice qui était présente ici en coating. La conséquence de ça, donc c'est ce que représente le schéma, vous voyez, on retrouve du TiO2 quasi pur à la fin. La conséquence de ça, c'est que le TiO2, vous ne le savez peut-être pas, enfin, il est utilisé dans d'autres applications, notamment photocatalytiques, pour ses propriétés auto-nettoyantes dans les peintures, les ciments. Et c'est ce que ça devient ici, en fait. On a ce test ici avec un colorant qui est la rhodamine, nous révèle que le TiO2 vieilli, le filtre UV vieilli, pardon, aged, est photocatalytique, dégrade la rhodamine, alors que le produit original, avec son coating, ne dégradait pas la rhodamine. En comparaison, on a quelques standards avec un autre TiO2 qui est bien connu pour être très photocatalytique, donc le TiO2 P25. Voilà. Donc, la conclusion de ça, c'est que le coating contrôle également potentiellement la toxicité du filtre UV à travers sa durée de vie au coating. Et pour conclure, quelques idées pour résumer finalement. Donc, on a réalisé des expériences sur le terrain et au laboratoire pour mieux comprendre les mécanismes. Donc, retenez que le risque, c'est le produit de ces deux facteurs, l'exposition et la toxicité. Les filtres UV, donc, finalement, que ce soit au labo ou sur le terrain, on les retrouve fortement concentrés, notamment les hydrophobes, dans la couche de surface et dans la zone de baignade. Les filtres UV organiques, donc je reviens sur cette découverte qui était vraiment inattendue, retrouvée à beaucoup plus basse concentration. J'ai deux hypothèses pour les expliquer. L'une, M. Down l'a cité juste avant, justement, c'est la pénétration cutanée. Ça a été démontré par des articles, notamment de la FDA, que les filtres UV organiques pénètrent, enfin, utilisés sur des cobayes humains avec des crèmes solaires, pénètrent à travers la peau et sont retrouvés dans le plasma du sang. Donc, ça peut expliquer pourquoi on les retrouve moins dans l'environnement, peut-être. L'autre explication, c'est que ce sont des molécules et donc elles ont une durée de vie bien plus courte que des nanoparticules de dioxyde de titane, qui, elles, sont plutôt insolubles. Voilà. Donc, finalement, entre les trois types de scénarios également à retenir, flottation, dispersion ou sédimentation, qui dépendent des propriétés de surface d'hydrophobie, philie, des filtres UV et des ingrédients de la formule cosmétique. Et puis finalement, un impact environnemental qui va dépendre de tous ces paramètres et notamment, pour revenir aux filtres UV minéraux, je ressouligne l'importance du coating sur le TiO2 ou sur le ZNO, car c'est lui qui va déterminer fortement l'impact. Mais qui n'est pas connu a priori, qui mérite d'être étudié. D'ailleurs, à propos de la durée de vie des molécules de filtre UV, ça a été cité précédemment également, on ne connaît pas très bien, il y a encore besoin de nombreuses études pour connaître la durée de vie de ces filtres UV organiques dans l'eau de mer, en présence d'algues, de matières organiques, de sel, tout ça, ce sont des paramètres qui jouent sur la durée de vie de ces molécules.
Voilà. Et puis, donc, ceci m'amène à mes études en cours, en fait, qui visent justement à étudier de pair ces deux filtres, ces deux catégories de filtres, minéraux et organiques, car on comprend que finalement, je vous ai peut-être un petit peu perdu parce que l'un va passer à travers la peau et assurer une exposition très forte sur le consommateur, ce sont les molécules organiques. L'autre, les nanoparticules minérales vont avoir une durée de vie plus grande dans l'environnement. Ça, c'est l'exposition, mais après se pose la question de la toxicité que je n'ai pas beaucoup abordée, mais qui a été mentionnée précédemment. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je serai... Merci. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. So we've seen that not only we have to be aware of what's happening with the UV filters, then we have to be aware of the coating. We have to be aware of so many things. I mean, as consumers, we will come back to the question of the consumers and how we can try to understand what we are putting on our skins. We will come back to the definition of mineral and organic UV filters. We'll do that in the second session. But before we move to what's happening on our skin, we will hear from Dr. Jean-Pascal Quod about what is happening in the sea, what is happening with the coral reef. Dr. Bonsoir. If you would like to talk about the corals and the way the UV filters damage them. So I will do it in French. Yeah, in French. Okay, I will do it in French. En français, allez-y. Bonjour tout le monde. Donc, je viens de La Réunion où je m'occupe des récifs coralliens, en particulier français, voilà, et notamment d'un programme d'éducation à l'environnement et de surveillance de l'état de santé des récifs qui s'appelle ReefCheck. ReefCheck est un programme mondial qui est mis à peu près dans 80 pays, pas encore en France métropolitaine, puisqu'il s'agit de permettre aux citoyens de réaliser la surveillance de l'état de santé des substrats durs, voilà, en gros, et dont les récifs coralliens français qui, comme vous le savez, sont aujourd'hui très menacés par le réchauffement climatique, mais également par l'ensemble des stress anthropiques que nous faisons depuis à peu près 30 ans. Voilà. Et parmi ces impacts, il y a évidemment celui des crèmes solaires qui a pris une grande proportion et dont les deux intervenants précédents, Craig et Jérôme, nous ont très bien expliqué, je pense, les conséquences. Alors, moi, je voudrais revenir un peu aux récifs coralliens parce que c'est mon background. Et puis, que quand vous achetez des crèmes solaires, et je viens de le vérifier, toutes les crèmes solaires aujourd'hui sont marquées coral friendly, coral friendly, coral friendly. Donc, c'est bien de refaire un peu pour nos auditeurs en présentiel et en distanciel. De quoi parle-t-on, effectivement? Voilà quoi. Donc, le premier slide, qui est en anglais, du coup, c'est quand même de rappeler que les récifs coralliens, c'est aujourd'hui un des plus grands écosystèmes de la planète. On parle souvent de la Grande Barrière, hein, qui est menacé aujourd'hui, et il y a beaucoup d'alarmes sur la Grande Barrière, y compris cette année en La Niña. Voilà. Nous avons une première cette année, en 2022, nous avons eu le premier blanchissement des coraux massifs dont je vais parler, sous La Niña. Donc avant, on disait, c'est toujours, on est tranquille, La Niña, et puis voilà. Donc, quand je mets, c'est un peu un récif corallien, c'est comme une forêt terrestre. L'idée est de ne pas se servir de l'arbre qui cache la forêt. Alors, il s'agit d'appréhender l'ensemble de l'écosystème corallien dans sa globalité. Et ce sont des écosystèmes qui sont très importants pour la planète. Hein, des millions de personnes dépendent de ces récifs. Hein. Et on parle de services écologiques, donc les fonctions du récif corallien, et des fonctions socio-économiques importantes. Ça va de la protection des plages à l'alimentation pour les pêcheurs, etc. Et la production de biomolécules. Voilà. Nous savons que nos récifs coralliens sont très riches en molécules. Je n'aurai pas le temps d'aborder cela ce soir, mais nous avons probablement dans nos récifs coralliens, qui sont soumis à du réchauffement climatique, les molécules écologiques, biologiques, qui permettraient peut-être de créer des crèmes beaucoup plus aujourd'hui respectueuses de l'environnement. Voilà. La recherche mérite encore d'être développée. Donc, quand même, une image, voilà ce que c'est qu'un récif, l'image que je présente, qui est aux Maldives. Voilà à quoi devrait ressembler partout un récif sain. Un récif va être sain et il va se dégrader. C'est ce que nous étudions aujourd'hui dans le monde, et les bilans continuent à montrer la dégradation des récifs, c'est que c'est une association très compliquée. Voilà. Un récif corallien, c'est beaucoup d'espèces, plusieurs milliers d'espèces, et même dans les coraux, il y a beaucoup de coraux. Voilà. Donc, ça m'amène au discours sur les crèmes. Quand on teste un corail, on n'a pas testé toutes les espèces de coraux et la variabilité entre eux. Ça a l'originalité d'être un organisme symbiotique, c'est-à-dire entre un animal, un polype, une méduse. En gros, pour résumer, et une microalgue qu'on appelle une zooxanthelle,
qui vit à l'intérieur, donc qui est symbiotique et qui est indispensable au fonctionnement de l'anémone, puisqu'elle va lui produire un certain nombre de choses nécessaires à sa survie. Et je profite pour rappeler, parce qu'on est ici en Pays Basque, et que l'azoxanthelle, c'est un cousin libre d'un cousin interne d'une autre algue qu'on appelle Ostréopsis, qui a défrayé la chronique l'année dernière dans le Pays Basque, puisqu'elle a envahi le Pays Basque pour la première fois. Elle était arrivée en Méditerranée. C'est une algue tropicale sur laquelle moi j'ai beaucoup travaillé et qui désormais est en Pays Basque. Voilà. Et on ne sait pas si cette année, avec le réchauffement climatique, on va avoir à nouveau un problème avec cette microalgue. Voilà. Donc tout ça, c'est des notions assez subtiles, c'est des équilibres assez fins. Et c'est important de comprendre que dans le débat qu'on va avoir, en tout cas sur l'impact des crèmes solaires, on a des difficultés à trouver un impact positif sur l'environnement. On connaît l'impact des crèmes sur nos santé. On sait que c'est mieux que de ne rien faire, etc. Donc, on aura les solutions ensuite. Mais aujourd'hui, quand on fait le panel des impacts potentiels aujourd'hui qu'on a étudié depuis 30 ans sur les causes naturelles et les causes anthropiques, on sait que voilà, on a les événements de blanchissement corallien qui nous ont beaucoup parlé, on a les maladies coralliennes, on a toutes les pollutions d'origine terrestre, industrielle, urbaine et agricole. Voilà, tout cela, la surpêche, on a tendance, moi je vais utiliser un peu un terme, un mix ou un cocktail. Voilà, on a un cocktail de polluants qui arrive de manière, et c'est ça qui est important, à appréhender au niveau du discours, c'est que c'est à la fois des impacts chroniques et des impacts aigus. Voilà. On peut avoir un pic de pollution, par exemple une station d'épuration qui déborde, mais aussi on a des pollutions chroniques qui vont stresser tout le long de l'année nos écosystèmes. Je vous parle des récifs coralliens, mais bon, tout à l'heure, Jérôme a parlé des écosystèmes méditerranéens ou des écosystèmes atlantiques. À chaque fois, on doit adapter le discours. Voilà. L'image que je vous montre, c'est le récif corallien de Saint-Leu, qui est le spot de surf le plus renommé de la Réunion. Hein, là, c'est en 2016. Donc, il avait connu en 1989 un très, très gros événement de mortalité lié à de la boue. Et il était complètement mort. Donc, c'était vraiment un constat très négatif. Il a mis 15 ans à se reconstituer. Donc là, on parle de résilience des récifs. Pour un récif, on va compter entre 5 et 10 ans, 15 ans, selon les récifs. Et je vous montre après la photo de droite, qui est une nouvelle coulée de boue qui a eu lieu en 2018 ou 2019, je ne sais plus. Et vous voyez comment on passe d'un paysage très riche en coraux à un paysage qui est mort. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Les coraux ne sont toujours pas revenus à cet endroit. Donc, puisque dans le cadre de RiffCheck, nous surveillons sous le spot de surf de Saint-Leu et dans tout un réseau local et national, l'état de santé des récifs en associant essentiellement les citoyens. Alors, une petite vidéo plus parlante pour parler de ces problèmes de résilience qui vont être très variables d'un endroit à un autre, comme tout. Aujourd'hui, alors une petite vidéo qui va vous montrer qui a été faite justement en 2016. Vous montrer comment, avec le même espace, comment on va passer d'une zone qui est très riche en corail, en poissons, en invertébrés, à une zone qui est complètement morte. Voilà. Donc, cet endroit que je vous ai montré, aujourd'hui, n'a toujours pas récupéré. Donc, depuis 2016, c'est un récif qui mettra 5 ans, 10 ans, 15 ans à revenir à son état naturel, s'il n'est pas soumis aux pressions. Cette photo est faite à cet endroit-là, à gauche. C'est un endroit qui, aujourd'hui, nous y avons fait une enquête sur l'impact des crèmes solaires en termes de fréquentation, mais pas en dosage comme ce qui était présenté avant. Sur cette petite portion de plage, c'était pendant la crise requin, donc il y avait une certaine problématique sur la Réunion, et on a compté 1200 personnes sur 300 mètres de plage. Donc vous imaginez en plein mois de janvier ce que ça peut donner sur l'état de santé et de stress des récifs coralliens. Moi, je tiens aussi à préciser ces aspects qualitatifs et quantitatifs. On ne va pas comparer l'utilisation d'une crème solaire aux Maldives où on sera tout seul sur une plage, avec une plage comme celle qui a été présentée par Craig tout à l'heure. Donc, il y a aussi un petit peu de raison dans les impacts à tenir sur ces mix et l'aspect quantitatif et qualitatif, cette notion de chronique et d'aigu. Voilà. Ça, c'est le plus important aujourd'hui. Et je crois que c'est mon dernier slide, c'est de reprendre un peu les choses qui ont déjà été dites et sur lesquelles on va probablement discuter après. C'est que les études écotoxicologiques qui sont menées depuis 10 ans, et moi je me réjouis de voir l'évolution depuis 2014, où j'ai commencé à me préoccuper de la question, en termes d'éducation, de sensibilisation, de crème solaire, et on s'aperçoit que plus on va fouiller, plus on va découvrir des choses différentes, et
pour sortir, pour avoir une approche plus globale et proposer des solutions qui soient vraiment adaptées sur ce chronique et cet aigu. Voilà. On peut stigmatiser telle ou telle molécule, on sait quelles sont aujourd'hui celles qu'on peut déjà enlever. Les études de laboratoire ne reflètent pas forcément les études en milieu naturel, donc il est important aujourd'hui de faire des recherches en milieu naturel. Il existe des méthodes qu'on appelle des mésocosmes, c'est des cloches qu'on met dans l'eau et on peut mieux comprendre l'impact sur l'écosystème. Voilà, les outils existent, les solutions existent pour mieux appréhender aujourd'hui les effets négatifs qui ont été évoqués dans les présentations d'avant, de façon à ce qu'on ait effectivement aujourd'hui une vision quand même assez optimiste sur l'évolution dans les 10 ans, même si on sait que la fréquentation va aller crescendo, augmenter, et donc on doit essayer de renverser, de minimiser les impacts au maximum. Voilà, merci. Merci beaucoup. Thank you so much. So we understand the impact of the UV filters on the ocean. We've seen that obviously with all the people on the Île de la Réunion, it's pretty different from the Maldives. But we've been talking about the aquatic ecosystems, but they are not the only one facing the consequences from those UV filters. What about us, Herr Brugmann? What about the consequences on our skin, on our health? Well, thank you. And thank you for letting me share also the consumer perspective. It's true that as a consumer organization, we focus very much on sunscreens, and that's for a good reason. Yes, and it's for a good reason, because they're absolutely necessary to protect ourselves. I mean, we all love the sun, I know I do, it's lovely to be here, but the detrimental effect of UVA and UVB on your skin and your health, there's no discussion about this. So you can be that careful as you want to be, you know, stay out of the sun, wear covering clothes. At a certain point, you will need sunscreen to protect yourself. So we really want good sunscreens. And that's exactly why we have been testing them already for a couple of years, giving consumers information, guidance on, you know, how good they are, the quality, the efficiency, telling them what to buy and not to buy. It's important to note that this is an ongoing test. So we keep on testing and retesting sunscreens every time, adding them to our comparison tools or our product selectors on the website. And what you see here is a screenshot of what's exactly on our website. So for each sun product, you have, you know, detailed information, but you also have an overall scoring. And in the best case, you also get a label. You know, there's the best of the test. There's the best buy, which combines quality with price. And recently also we have the green choice label, so eco and efficient. Because since 2020, we have also been testing the environmental impact of sunscreens. And also that it's for a good reason. Obviously, because also as a consumer organization, we are fully aware of the impact of some of the components of sunscreens on the oceans, on sea life, on coral. But also because we know consumers are looking for this kind of information. They are worried about climate change, they want to contribute, but they are looking for sustainable alternatives. And we see it as our duty as a consumer organization to also try to give them this kind of information and empower them to make a green choice. Now, before deep diving or giving some insights about the test results, let me maybe just put the framework straight of how we do test, because the test has different components. First of all, we check in a certified lab whether there's sufficient protection against UVA and UVB, you know, causing skin cancer. So we are checking the filters, the mineral amounts, and the chemical ones, if they are delivering what they should deliver, protect ourselves. And this is done based on European regulation recommendations, so the ISO standards. We also look for toxic substances, the ones that cause allergic reactions, endocrine disruptors, and potentially also other harmful substances. We also look at the package. Is everything there that needs to be there legally? So ingredient list, contact details, aren't there any claims on there that shouldn't be in there, unfunded ones? And there's also a users test. So we have a testing panel and they are testing, you know, the texture, the smell, is it sticky or not? And finally, and this is very important for this conference and also for us, we also test the eco impact, the ecological impact. And how do we do this?
Now, first of all, we look at the environmental impact of the ingredients. So it's true that chemical filters have the worst reputation, but unfortunately also mineral filters, not all of them are that innocent. They could also have an effect on fish, on plankton, like was explained in the presentations before mine. So it's not that black and white, that would have been too easy. So how do we try to manage this? We put all of the sun filters, so the mineral ones and the chemical ones, but also substances like, for example, parabens, we put them in three categories, going from green over yellow to red, based on whether they are toxic, are they biodegradable, is there an impact on coral, can they accumulate in fauna and flora, and are they disruptive? And then we look at the mixture that is used in the sunscreens, because it's not just one filter that you're using, it's always a mix, which makes it really complicated. Now, when it comes to ingredients, we also look whether there's microplastics there, which is harmful both for the environment, but also for ourselves. But when we talk about environmental impact, we don't just look only to the ingredients, we also look at the packaging. Now, what type of material is they use? Is it recyclable? Isn't there a little bit of excessive packaging as well? And we look at the waste. So how much of the sunscreen is left into the package that you cannot use, you cannot get out. And according to the eco label, that cannot be more than 9%, which is already a lot. Now that we have a little bit of a more clear view of how we test, let's look at some of the results. The good news is that a vast majority of our sunscreens are protecting us, so they are delivering. That's the good news. Currently, we have like 55 sunscreens in our product selector. 47 of them are very compliant and do protect ourselves. So that's the good news. And these are not only the expensive ones. There are some in there that are really affordable. So it's not that only the expensive ones are protecting you. However, this also means, unfortunately, that every year we also detect some that are underperforming significantly and that are not delivering the SPF that they promise you to. And this is really disturbing, and it's even more disturbing when it comes to sunscreens for kids. And of course, we are very responsible. We always alert the authorities, we file complaints. But this brings me to another pain point, and this is the timely reaction of authorities to that regard. Now, it's important to know that this kind of enforcement is nationally, but as Euroconsume is having organizations in Belgium, Spain, Italy, and Portugal, this gives us a little bit of an advantage. But let me maybe illustrate with a few examples, very small ones, how difficult it often is to get unsafe products off the market. Now, back in 2019, there was one sunscreen product, it was Isdin, of plus, with promising an SPF of plus 50. It was targeted at children. And in our test, it appeared to be only to offering an SPF of 15. So this is really dangerous. And what happened then is, I mean, we're in France, and I would like to quote Voltaire, but I think here Kafka is more in place. I will give you the short version, please bear with me, but I think it can be a very good illustration. So we detect this in May, we notify the authorities, our organization in Spain, Italy and Portugal do the same. In Belgium, they say, okay, we are going to recall the product and we are going to notify our colleagues in the other countries. In June, nothing is recalled yet. We get the news that they will not recall, but they would quarantine it, okay? Then we come to July, and then much to our surprise, this quarantine is lifted based on the badges that were provided by the producer themselves, so by ISDEM. And it is said that the product is to be safe, and if there are differences in the test results, then it's because there is a little bit of variation possible between, because of the methodology, but variation between 15 and 50, I mean, you could ask yourself.
Luckily, our Spanish organization, because ISDIN was based in Spain, was also pushing with the authorities. In the beginning, they said both your Spanish organization and the company are right, but we kept on pushing. And in the end, they gave in and they said, okay, we're going to test ourselves. This is August. And then it remained silent and we keep on asking and pushing until in October, it is indeed confirmed that the product was not delivering the satisfaction. In the meantime, summer has passed and people had used the sunscreen. And kids got burned. Yeah. So we also raised this, you know, quite absurd situation with the European Commission. And in the end, it led to some specification to the testing method to go with the ISO standard, really aiming at avoiding to have some nuances, some differences. That's the good thing. Yet, it remains challenging to have this kind of enforcement. I'm just looking at the test that we ran this year. There is one product also aimed at children that popped up in this test. And I said, again, because also last year, we detected two products of the same brand, also unsafe. These two products are still on the Belgian market. So nothing happened with the complaints. And I'm really looking forward to the answers that we will get to the complaints that we filed in the beginning of May and early this week, because we are still waiting for it. So, but you know, the good news is that really the majority is protecting you, but we need to take the unsafe off. Now, when we look at the environmental impact, I have to say, unfortunately, we have still a long way to go. Most of the sunscreens are still using un-eco-friendly sun filters, indeed. both mineral, both chemical, mostly chemicals, but also mineral ones. Most of them also have microplastics. And also when it comes to packaging, there's a long way to go. There's room for improvement. There are only few of them using recyclable material and carton, and sometimes it's really excessive. But I'm always, you know, the optimist, and we need to look at the bright side. It's not because it's difficult that it is impossible, because we do have a lot of, sunscreens in our tests that are performing well when it comes to environment. So, and it's getting more and more over the years. So this is really hopeful. But then again, and this brings me with the next slide, of course, having an eco-friendly sunscreen has no use if it doesn't protect yourself. I mean, you could care as much for the environment, and I really do, and my organization fully does, but it cannot be to the detriment of your own health. So this brings us to the question, is this ideal combination of quality and sustainability even possible? Can consumers have best of both worlds? Now, if you would have asked me back in 2019, I would have said, rather no, because there was not any sunscreen on the market with an SPF of 50 with a mineral filter. And also when we tested the ones with an SPF 30 with mineral filters, most of them turned out to be not really performing, so they were not really safe. However, nowadays, I have to say, we reconsidered and we could say, yes, it is possible. Because this year, for the very first time since the many tests that we have done, we have been able to grant the label eco and efficient, so the Green Choice label. And we only give this to a sunscreen that is performing well on all the elements of the environmental impact test and scores really well in terms of protection. So we have one that ticks all of the boxes, so it is possible. This brings me to the major challenge for the future, because I really think we need to call on sunscreen industry and push for this kind of innovation and make them invest in the development of eco-friendly sunscreens that do protect you in a very good way. Some of them are already exploring and we see it more and more. There's definitely a good evolution, but some of them have a long way to go. And here we, as consumers, we have an important role to play because together we are many, and by deciding what to buy and not to buy, we can influence markets, we can steer markets, we can become even an accelerator. And that's why we say the new consumer power is a green one, so let's use it.
obviously, this also puts us as a consumer organization with an important responsibility. We don't only want to protect consumers, we want to empower them. We need to make it happen for them. So they need to have the right information, trustworthy information. And that's what we try to do with the testing and the product selectors and the comparison tools. But they also need to know that what they buy, and it's called green, is actually green. And now I'm talking about the labeling. So when we are talking about enforcement, it's not only about calling out unsafe products, it will also be about debunking green claims that are actually fake green claims. So this will be become more and more important in the future. But above all, if we want consumers to play their role, make the green choice, the choice needs to be there. I mean, the alternatives need to be there. They need to have access in an easy and convenient, affordable way to eco-friendly sunscreens that perform, that protect them. And that's exactly why I think, and we as a consumer organization want to, together with all kinds of stakeholders, maybe even Surfrider, we want to reach out to industry and really convince them to embrace sustainability as a business philosophy and work together to make better sunscreens. I mean, there's definitely a market out there. Look, this whole conference is about that. So if we can find a match between what consumers want and need, and we have profound knowledge of that, and we have the critical mass, and we can combine this with, you know, forward-thinking market players, forward-thinking innovative sunscreen developers, then I am convinced that we can make some big steps forward. So it's about time to team up, I would say. Yeah, hopefully we will team up and we'll find a solution. Well, it's a lot of optimism from your side. Thank you so much. That was not the what was happening before. We're going to move now. If you guys at home have questions from the panelists from this session, please feel free to send your questions. I have one very bold question for all of you. So which is the best, the chemical or the mineral UV filter? I don't know, Craig Down, if you want to jump on that. that's a tricky one, right? No, I mean, there's, I think there are some new innovations, as your previous speaker was saying, on new chemicals. There's some new ones that are coming out in the next year that have to do with botanically or algal-derived SPF additives. I also agree that, you know, nanoparticles are bad and titanium dioxide can present a definite risk. So I go back to my first statement is that the dose makes the poison. And if you really want to have an environmental impact, then I think managing how all these tourists come to beaches and how much sunscreen they actually use. Sunscreen is important. You need to protect yourself, but you can use it with other defenses like UPF clothing, a hat. You know, if you just want to go to the beach nude, that's your choice, but that's a lot of sunscreen to put on a nude body, especially if it's like a Hawaiian body like mine. You know, that's a lot of sunscreen, then that's not going to be good for the environment. So, and it's not good for other people to see either. But I think it all depends on the sunscreen and the formula. You know, there are some really bad mineral sunscreens that do not protect, that do not have good SPFs, and those do need to be called out. Definitely. Yep. So I'll let other people speak. Sorry. No. That was pretty interesting, actually. Thank you so much. Jérôme Labie, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur ma question qui, visiblement, n'est pas si tricky. Oui, effectivement. En français ou je continue en français? Si vous le souhaitez. Bon, faisons ça. Effectivement, il y a de nombreuses molécules et même biomolécules qui sont intéressantes pour devenir de potentiels futurs filtres UV organiques respectueux de l'environnement.
Mais la question, elle vaut pour aujourd'hui. Enfin, votre question vaut pour aujourd'hui. Or, on sait l'inertie qu'il y a dans la réglementation avant de faire accepter une nouvelle substance comme un filtre UV. Et aujourd'hui, cette liste, elle est arrêtée, elle est connue, la liste des filtres UV réglementés en Europe notamment. Et on doit faire avec. Donc, ce qui me pose question, c'est qu'effectivement, on trouve sans cesse de nouveaux effets toxiques sur de nombreuses molécules, et ça, c'est effectivement problématique. Je reviens en tant que consommateur, j'aurais tendance, pour répondre à votre question simplement, à m'orienter vers des crèmes minérales pour éviter cette pénétration de molécules dont les effets sont peut-être encore inconnus, alors que des crèmes minérales, nano ou non nano, vont avoir une pénétration beaucoup moindre à travers la peau, mais comme l'a dit Craig, effectivement, peuvent avoir d'autres effets, le TiO2. Tout en soulignant également qu'on peut aussi trouver des crèmes avec des filtres UV organiques dont la formulation cherche à minimiser cette exposition, notamment pour le consommateur, par exemple avec l'utilisation d'encapsulation. Je sais qu'il y a de nombreuses recherches, puisque suite à ces prises de conscience que de cette exposition accentuée du consommateur vers ces molécules organiques, les formulateurs, les industriels fabricants de cosmétiques cherchent des solutions, bien sûr, des alternatives à ces problématiques. Docteur Jean-Pascal Côte, pour les coraux. Alors, pour les coraux, mais également, je pense, pour l'ensemble des écosystèmes, hein, parce que nous pouvons considérer que nous sommes nous-mêmes un propre écosystème entre toutes nos bactéries et tout ce que nous sommes avec nos cellules. Dans les deux cas, moi, je reprendrai bien la phrase de ce que disait Craig tout à l'heure et je rajouterai « tout est poison », ce que disait Hahnemann, « tout est poison, seule la dose fait le médicament ». Voilà, donc c'est important aussi de doser, comme j'expliquais tout à l'heure, dans le temps et dans l'espace. Évidemment, sur notre écosystème à nous proprement, hein, on a beaucoup parlé du plomb, du mercure à une époque. Aujourd'hui, on est sur une thématique qui est les molécules chimiques ou les minéraux. Et c'est vrai que, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, moi, ce qui m'interpelle beaucoup plus aujourd'hui, c'est la bioaccumulation, c'est-à-dire la manière dont on va accumuler ces composés en nous et dans l'environnement. Nous, on se baigne toute l'année. Ici, on se baigne quelques mois par an. Donc, on n'a pas du tout la même réaction aux produits auxquels on est confronté. Voilà. Donc évidemment, ici, on va avoir un temps d'élimination, ce qu'on appelle la bioamplification dans la chaîne alimentaire et dans notre corps. Et tous ces processus sont tellement compliqués à appliquer sur chacun d'entre nous déjà. Et dans les environnements, j'ai pris la Méditerranée, l'Atlantique et les récifs coralliens, qu'on a vraiment aujourd'hui un manque de connaissances scientifiques. Bon, on voit bien le bon fait en 10 ans, sur ce que j'appelle les effets synergiques. Tout à l'heure, on a parlé d'un cocktail, on a parlé de molécules très précises, mais on n'a aucune idée d'aujourd'hui qu'est-ce que donnerait un cocktail de molécules, plus des coatings et les surfactants. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu noyé sous l'information et on est un peu à une charnière, voilà, d'un ancien paradigme vers un nouveau paradigme, avec une note d'espoir, c'est qu'on va trouver des nouvelles molécules beaucoup plus éco-friendly, mais qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire. Et comme elle le disait tout à l'heure, il faut vraiment que tout le monde se mette ensemble indépendamment des aspects commerciaux et de marcher dans le même sens. Voilà. And this is definitely what we are doing this conference to push forward and to keep the light on the situation. Maybe we have question from the floor. We yes. have question. Yes, we've got a question from Zoom. The first one would be for all of the panelists. Where can we find the results of all your studies to choose a sun cream that is not harmful for the environment if it exists? Je peux apporter des éléments de réponse. On va dire qu'en 2018, alors moi, je parle des récifs coralliens, on a beaucoup moins de connaissances globales, même si on voit apparaître des choses sur la Méditerranée ailleurs. L'ICRI, donc l'Initiative internationale sur les récifs coralliens, a sorti, avec un panel de spécialistes, une synthèse mondiale sur l'impact des crèmes solaires sur les récifs coralliens. C'est un PDF qui est accessible, hein, je peux le partager avec vous à Surfrider, et ensuite vous le mettrez à disposition des personnes. On va dire que depuis 2018, un certain nombre d'études scientifiques ont été menées. On les voit bien 2020, 2021 et 2022 récemment, même dans la revue Science. Et donc, les synthèses aujourd'hui sont relativement rares. Moi, je m'appuie sur celle de 2018 et je crois qu'il y en a une qui est sortie en 2020.
qui devient très vite obsolète au fur et à mesure que les connaissances arrivent sur ces choses-là. Et dedans, on a toutes les références scientifiques. Et dans la mesure où c'est fait par un panel de scientifiques mondiaux, sous le label de l'ICRI, qui est quand même un peu notre ONU des récifs coralliens, et c'est applicable aux autres écosystèmes, on peut penser qu'on peut faire confiance à ces bilans aujourd'hui. Voilà. Donc, je propose de vous partager ça et qu'ensuite ce soit relayé et que les personnes qui souhaitent avoir des états de synthèse puissent les récupérer sur les sites et sur les pages. There is another question for S. Brugman. Hold on, maybe Jérôme and Dr. Gray Downs, if you want to add some of your studies where the public can find it. Just share with us. Yeah, you can email me. Most of my studies are publicly accessible on scientific journals. So like LinkedIn, if you go to my LinkedIn page, you can find it there. You can go to our website, you can email me. We have lots of papers. I also have a large bibliography of over 300 scientific papers on this topic. So happy to share that. Yeah, that's going to be a great summer of reading. Dr. Jérôme Labille. Oui, même type de réponse. J'ai mentionné quelques références dans mes diapos, justement, d'où étaient sorties les figures que je présentais. Donc, idem, mon travail, c'est de publier mes résultats dans des articles scientifiques. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez les PDF de ces articles. Il n'y a aucun problème. Et certains d'entre eux sont d'ailleurs des espèces d'articles de review sur lesquels on essaye de faire le point, tantôt vulgarisé, tantôt très, très pointu scientifiquement parlant. Donc, aucun problème pour vous partager ça. Next question. The next question is for Els Brugman. You spoke of eco-friendly tests with certified labs. Do you test components as extensively as the scientists on the panels would? I'm sorry, as scientists, what? He or she asked if you test the components as extensively as the scientists on the panel panel do you would have do. Actual Yeah. Yes, we work with a certified lab that is really specialized in doing these tests. So that's it's all... not just you on your skin. No, it's not like we do it in Brussels in the office and we do something. No, it's really according to not the... enough sun in Brussels. No, it's really according to the scientific procedures that also are defined European wide. So it's based on European regulation, recommendations, the ISO standards, and it's done in a certified lab. Who's really specialized in this kind of tests. So for the UV, I mean, I can go into the details of what exactly, but I mean, this would take us a little bit too far. However, it is all explained on our website, how we do tests and for each component, how we test. So you can you just remind us of the website? Well, the test results, the comparison tools, they are on the websites of our national organizations. So we are in Belgium, Spain, Italy, Portugal, and Brazil. But in Belgium, we also speak French, so maybe this could help. There's a French website, and there you can see the results. But also there's a very long explanation. There's a whole file on how exactly we test. Maybe here, ici des questions. Donc pas de questions. We're going to wrap up this first session. Thank you so much to our panelists. We will now move to the second session. Thank you so much, Els. Thank you so much, Jean-Pascal Claude. Thank you so much, Dr. Jérôme Labille. And I'm going to keep Craig Downs with us for the second session. We've been speaking about a lot about the consequences, the impact of the UV filters on the aquatic ecosystems. We're going to move to the solutions, the alternatives, and the innovation to limit those impacts. And there's a lot to say. And to join me for this second session, please welcome our panelists for this one. We're going to speak a lot of French, I'm sorry. Clémentine Muriel, she's currently head of Hygiene Care Division and marketing manager for Sun Care, Deodorant, and Air Removal
Ranges at Aquarel. Bonsoir, Clémentine. Céline Tayad, she's currently working as a research and development and regulatory affairs officer at Audisud Laboratory. And joining us from home, Gabrielle Jovanovic. On va l'appeler la petite Gabi. Good evening, bonsoir. Bonsoir. She's she is still a photographer, and she opened a YouTube channel in 2016. She has launched an application aimed at deciphering, and that's very difficult, INCI lists of cosmetic products, in particular by explaining the role of the different substances within the product. That will be very helpful for us. And Dr. Craig Downs is still with us. We will begin with you, Gabrielle. Je vais commencer avec vous, on va s'exprimer en français. Avec vos différents médias, la petite Gabi, vous vous intéressez à la composition des produits cosmétiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez adopté cette démarche ? Alors bonsoir à tous, merci de m'avoir invitée. Alors c'est assez simple, je suis partie d'un constat, on va dire, purement esthétique et je me suis rendu compte que les produits qu'on me vendait ne répondaient pas à la problématique que j'avais et que les effets étaient seulement de surface. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser aux compositions, à ce que contenaient vraiment mes cosmétiques et à force du coup de lire de la littérature dessus, de savoir ce que c'est qu'un sodium lauryl sulfate, qu'est-ce que ça fait, est-ce que c'est très détergent, quel tensioactif l'est un peu moins, eh bien, au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre tout ça et à découvrir un petit peu l'envers du décor des cosmétiques, à passer un petit peu derrière le marketing que nous vendent les marques. Et j'ai été très surprise de voir que, bah, y avait finalement beaucoup de marketing pour souvent des compositions un peu pauvres ou voilà, c'était pas exceptionnel, on va dire. Et du coup, j'ai décidé de partager mes découvertes tout simplement en ouvrant une chaîne YouTube qui parle avant tout de soins cheveux, mais qui décrypte entre autres ce qu'on trouve dans nos soins capillaires. Donc pour donner les bons gestes, les bonnes techniques, les bons produits, ceux qui ne vont pas trop sensibiliser les cheveux. Et forcément, bah, ça en découle à ce qu'on se met sur la peau, à ce qu'on met sur nos enfants, etc., etc., et notamment aux produits solaires. Alors justement, I will keep on in English. Do you think consumers are aware of the impact of sunscreen? Vous avez parlé des cheveux, mais effectivement, là, on parle protection solaire. On a le sentiment que les consommateurs se posent de plus en plus la question. Oui, complètement, parce qu'il y a... Comment dire, on commence du coup à entendre parler de ces études sur les coraux, donc forcément on s'inquiète et quand on voit effectivement le nombre de gens à la plage qui vont se baigner et qui mettent de la crème solaire, on se pose légitimement la question. Et forcément, comme on sait qu'il y a un fort lobby de la cosmétique conventionnelle, on se dit est-ce que c'est vraiment safe? Enfin, vraiment, il y a un vrai questionnement de la part des consommateurs. Et finalement, on se tourne vers le minéral, mais finalement, on se rend compte que le minéral, selon l'enrobage, etc., on se dit finalement, c'est bien, c'est pas bien. Enfin, vraiment, il y a des vrais questionnements. Et en tout cas, il y a vraiment, de la part du consommateur, un souhait de bien faire. I'm deeply sorry for our translator who is translating from French into English, but I will keep on speaking French here. On était en train de parler justement de cette nécessité d'information. C'est absolument passionnant que ce que fait la petite Gabi. Je vais continuer à vous appeler la petite Gabi. Mm-hmm. Il y a une vraie demande de la part des consommateurs de savoir, alors j'allais dire ce qu'on se met sur la peau, parce que je suis consommatrice également. Et donc de savoir si ce qui est écrit sur le produit, c'est vrai ou pas. Mais bonjour à tous, enchantée. Oui, tout à fait, c'est une vraie demande. Et aujourd'hui, ce qu'on voit sur le marché, c'est qu'il y a de plus en plus de marques qui se lancent, que ce soit en minéral, en synthétique, alors qu'il y a quelques années, nous, quand on s'est lancé avec Aquarel en 2015, il y avait encore très peu d'acteurs. Donc, il y a beaucoup moins de polémiques sur le marché. Et aujourd'hui, en fait, je pense que les consommateurs sont complètement perdus du fait de la multiplication des sources d'informations, que ce soit sur les packaging, bon, informations qui sont quand même plus encadrées, ou sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, ou évidemment les applications de notation qui ont été beaucoup critiquées et honnêtement, à juste titre, je pense. Parce qu'aujourd'hui, il y a des, sans les citer, il y a certaines applications qui sont plus ou moins
objectives, certaines qui sont absolument pas scientifiques. Et en fait, le consommateur lambda ou la consommatrice lambda va juste sortir son téléphone, le scanner sans savoir quelles sont les limites de l'application et se dire c'est bon, c'est pas bon, alors qu'en fait, il y a plein de critères qui ne sont pas pris en compte, comme effectivement le dosage, l'origine des ingrédients, le packaging n'est pas pris en compte. Alors, il y a plein de choses qui dans leur globalité, qui ne sont pas du tout considérées et qui aujourd'hui posent un vrai problème. Donc, il y a et puis, effectivement ce qu'on se met sur la peau et qu'est-ce qu'on relargue dans le milieu marin ou dans l'environnement. Céline, je voudrais tout de suite faire un point sur l'utilisation de l'expression organique, parce que quand on utilise le mot organique en français, on a le sentiment que ça fait référence à quelque chose de bio. Donc, on est d'accord qu'il y a des filtres minéraux et il y a des filtres alors, synthétiques, chimiques, je ne sais pas comment vous souhaitez les appeler, mais en tout cas pas organiques. C'est ça. Ben, bonsoir à tous. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs noms pour nommer ces filtres. Donc, on va parler de filtres minéraux, de filtres inorganiques. Et il va y avoir ce fameux nom qu'on donne aussi des fois aux filtres synthétiques, donc aux filtres chimiques, qu'on appelle filtres organiques. Donc ça, il faut savoir que ce mot-là fait référence pour beaucoup de personnes à une association justement organique, donc un lien directement avec les produits biologiques potentiels. Mais ce nom-là, il est issu à la base de la chimie. Donc les molécules synthétiques sont des molécules avec un grand, on va dire, c'est une grande bête, ces filtres-là, qui sont composés de plusieurs organes organiques. C'est pour ça qu'on parle de organique. C'est vraiment la molécule. C'est quand on parle en termes de science. Voilà, mais c'est vrai que ce terme-là est un peu confusant et souvent, nous, on préfère utiliser les filtres synthétiques et les filtres minéraux. Voilà. D'accord. La petite Gabi, est-ce que c'est quelque chose qui est important quand on s'adresse aux consommateurs, les filtres synthétiques, les filtres minéraux? C'est quelque chose que vos followers vous font remonter? Oui, effectivement, ils ont vraiment, en fait, à cœur de bien faire. Et donc, ils vont préférer, en tout cas pour le quotidien, opter pour des filtres minéraux. Sauf que le problème de la crème solaire minérale, c'est que forcément, c'est du dioxyde de titane et qui est blanc. Et donc, forcément, sur la peau, bah, ça a un rendu, notamment sur les peaux métisses et les peaux noires, forcément grisé ou violet. Ça dépend des crèmes solaires. Et forcément, ça peut poser quelques problématiques. En tout cas, pour le quotidien, il y a vraiment cette volonté de partir sur du minéral, pas forcément pour la baignade, ces choses-là, mais pour le quotidien. Ce qui se passe en ce moment en termes de marketing, c'est qu'il y a des marques qui ont repris ce fameux effet blanc et ont sorti leur crème solaire et ont dit « voilà, notre crème solaire est sans effet blanc, elle est bonne pour les coraux ». Elle va pas abîmer les fonds marins finalement, et en fait on se retrouve, en tout cas j'ai beaucoup de ma communauté qui se retrouve à acheter ce genre de crème solaire à cause de ce marketing et qui se retrouve en fait avec une crème solaire 100% chimique, organique finalement, et qui du coup sont déçues parce que c'était pas ce qu'elles souhaitaient. Elles voulaient vraiment acheter une crème solaire minérale et elles se sont retrouvées avec une crème solaire totalement conventionnelle. Alors c'est très bien, elles se protègent, hein, mais c'est vrai que comme elles n'ont pas pris le temps de lire la composition, elles se sont fait un petit peu avoir par le marketing. Céline, justement, on en est où de la recherche? Alors déjà, premier point, c'est vrai que quand on part avec des filtres minéraux, c'est beaucoup plus dur à formuler, notamment le dioxyde de titane a un effet très blanc sur la peau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même des alternatives dans le sens où on a un autre filtre minéral qui est l'oxyde de zinc, qui lui, par exemple, a un effet blanc un peu moins important. Et puis, même dans le travail de la formule, au final, il n'y a pas que ces filtres dans la formule. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de se dire que voilà, on continue à chercher pour un jour se rapprocher le plus possible de ces solaires, donc du coup conventionnels, qui eux partent avec des molécules du coup synthétiques qui n'ont pas cet effet blanc-là. Et nous, c'est dans notre cœur de recherche, en tout cas aujourd'hui, de réussir en fait à avoir un solaire qui soit efficace et qui soit aussi très sensoriel pour le consommateur. Voilà. Parce que là, on parle de effectivement cet effet blanc, ses conséquences sur la peau. Quand on étale la crème, on a du mal à l'étaler, mais les conséquences sur l'écosystème. Because we are still talking about ourselves, but what about the planet? What about the oceans?
Ben, c'est un peu le même constat que la première partie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a des études qui sont en train d'être faites sur le sujet. Donc, il y a des études sur les filtres synthétiques, sur les filtres minéraux, sur l'exposition. Et puis, c'est vrai que c'est difficile à date de statuer sur tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, nous, quand on réfléchit à un solaire, c'est déjà, j'ai envie de dire, le produit pour moi le plus difficile à créer, un produit solaire. Il faut qu'il soit efficace, il faut qu'il soit sécuritaire pour le consommateur. On essaye de minimiser les impacts sur l'environnement. C'est vraiment tout un ensemble qui est très difficile à associer. Et en plus de ça, il y a l'aspect sensoriel, justement, comme disait la petite Gabi, parce que le consommateur, demain, si à la fin de son produit, eh ben, il n'aime pas, eh ben, voilà, il va peut-être être dirigé vers autre chose. Et donc, c'est beaucoup de combinaisons qui, aujourd'hui, font que quand on recherche, on axe sur tous ces points-là et on essaie d'avoir le meilleur compromis. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui peut-être nous bride un peu en tant que peut-être formulateur, c'est que, comme ça a déjà été évoqué aussi à la première partie, on a une liste positive qui est donnée en fait par notre règlement cosmétique européen et qui nous réfère, nous, en tant que, par exemple, cosmétiques certifiés, à deux filtres. Donc, du coup, tout le travail est autour du reste de la formule, alors qu'aujourd'hui, on a des molécules qui peuvent avoir justement des propriétés de protection contre les UV. Alors, nous, on va les appeler, par exemple, des boosters de SPF. À date, ces molécules-là vont pas pouvoir être utilisées toutes seules, dans le sens où, voilà, pour être un produit solaire, il va falloir utiliser au minimum un filtre justement autorisé dans la liste du règlement européen. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est justement peut-être diminuer un peu cette quantité-là de filtres minéraux et justement utiliser ces alternatives un peu de boosters qui, pour le coup, voilà, n'ont pas forcément encore ce statut-là, mais qui sont très prometteuses en fait pour l'environnement, par exemple, dont certaines qui viennent même de l'environnement. Quoi. Voilà. Dr. Cray Downs, if you're still with us, I'd like to talk a bit about the regulation, because we are hearing here from what is happening in France, but about the regulation. But I know you're an expert in regulation. What happened in Hawaii? Yesterday or back in 2018. So Hawaii was the first to pass a ban on oxybenzone and actinisate sunscreens, and then it kind of spread all through the Caribbean and now through Southeast Asia, Thailand, Cambodia, Vietnam, and they're expanding the chemicals that they're regulating or that they're prohibiting to include octocrylene. I think Palau has banned Tinosorb S and Tinosorb M until like BASF can prove that it's non-toxic and does not bioaccumulate and can be readily biodegradable. So these are all reasonable requirements. Yesterday, the island of Hawaii, which is the biggest island, we call it the Big Island of Hawaii, banned the sale and distribution of all chemical sunscreens, all petrochemical sunscreens. So only mineral sunscreens can be sold. And this is similar to the bill that was just that was passed a couple months ago in Maui, which banned not only the sale, but the use. So if you're using it and they catch you on the beach using a chemical sunscreen, then you will get a fine. That's a pretty big decision. Ladies, if you have a reaction on that. C'est effectivement intéressant. Et en fait, on voit par exemple que donc quand l'État d'Hawaï a décidé d'interdire du coup l'oxybenzone et l'octinoxate en premier lieu, on voit qu'il y a des marques qui ont joué là-dessus dans leur développement produit et qui ont créé des logos donc environnementaux en disant no oxybenzone, no octinoxate, et donc en se disant beaucoup plus eco-friendly. Et là, aujourd'hui, on voit en fait que finalement, c'est l'ensemble des filtres chimiques qui ont été bannis. Donc, peut-être qu'ils vont être obligés de... Il y a un vrai problème de greenwashing. Ça, c'est effectivement un gros problème. C'est vrai, quand on travaille en marketing et qu'on essaie un peu de rétablir la vérité, même s'il n'y a pas de solution miracle, comme on le voit, c'est assez compliqué d'évoluer dans ce milieu, surtout la cosmétique et encore plus le solaire. On voit qu'il y a plein de techniques, de très bons communicants aujourd'hui qui se lancent sur le marché, alors qu'ils sont très forts, qui donnent envie, qui ont des produits qui sont minéraux, sensoriels, etc., ou synthétiques et sensoriels, et qui se valorisent organiques ou utilisant des filtres, par exemple, low-tox. Mais c'est toujours des termes qui sont un peu tournés, mais sans être expliqués. On a aussi la problématique de la
biodégradabilité, où par exemple, on va avoir des marques, donc des grandes marques, je ne citerai pas non plus, qui donc, font des tests de biodégradabilité dans leur formule, mais sans filtre. Donc, par exemple, ils vont dire que leur formule est biodégradable à 95%, mais sans filtre, alors qu'en fait, le filtre peut concerner plus de 50% de la formule selon le SPF. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont assez tricky. Donc, c'est compliqué de s'y retrouver. Et même pour nous, parfois, je pense qu'on se dit peut-être qu'on a loupé quelque chose dans les... Voilà, dans la communication, etc. Mais on préfère toujours être dans le vrai que dans le greenwashing. La petite Gabi, c'est une question récurrente, la traduction de ce qui est écrit sur les emballages, même si c'est des mots qu'on comprend très bien, parce que voilà, c'est bon pour les coraux, on le comprend très bien, mais il y a une demande de traduction. Oui, en tout cas de ma communauté qui est quand même assez alertée sur les... on va dire le marketing, il y a vraiment, oui, cette demande de comprendre et on va dire qu'on ne lui mente pas, c'est-à-dire qu'on lui vende ce qu'est le produit réellement, finalement, que ce soit, par exemple, une crème solaire chimique, mais qui va avoir un très bon indice de protection, peut-être parce que cette personne a des taches, a de l'hyperpigmentation, auquel cas où elle choisit ce genre de protection. Mais par exemple, si effectivement, si elle souhaite se baigner, et notamment comme dans des pays comme Hawaï, effectivement, vraiment acheter une crème solaire minérale, c'est vraiment essentiel de savoir ce qui se trouve vraiment dans les crèmes solaires, en tout cas. Before we move to the Q&A, if you want to add something. Peut-être, moi, je dirais du coup, ce que je comprends, la petite Gabi, c'est que le consommateur, en tout cas aujourd'hui, il veut comprendre ce qu'il y a dans son produit et puis tout simplement, voilà, comprendre qu'est-ce qui fait le produit solaire aujourd'hui. Il y a beaucoup d'applications, malheureusement, voilà, qui vont tromper le consommateur. Moi, en tant que scientifique, en tout cas, et même quand je vois mon entourage, j'ai vraiment envie de... en tout cas, de donner les bonnes clés aux consommateurs, parce que c'est vrai que ce consommateur, malheureusement, avec tout le greenwashing, moi, j'entends des absurdités, selon moi, et ça me fait... voilà, je trouve ça vraiment embêtant que le consommateur, aujourd'hui, qui veut chercher à comprendre, se retrouve avec des informations qui sont vraiment dupées. Et il faut faire vraiment très attention à tout ça, il faut qu'il y ait un fondement scientifique derrière tout ça, et pour moi, l'utilisation de ce type d'application, etc., il faut que toujours ce soit associé à un fondement scientifique. Voilà, donc c'est plus ma méfiance. Voilà, j'aimerais demain que le consommateur se retrouve avec une information concrète et puis qu'il puisse être correctement informé sur le sujet. Dear consumers, if you have questions, that's the moment. That's your moment. Alors, on a pas vraiment une question, mais une demande de précision sur les compositions chimiques. Vous avez tout à l'heure parlé de l'oxyde de zinc. La personne qui nous écrit nous dit que l'oxyde de zinc n'a pas un très bon SPF et il faut obligatoirement rajouter du dioxyde de titane. Est-ce que vous confirmez? Oui, tout à fait. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on fait des mélanges de filtres. Donc, faut savoir que déjà, les filtres ne couvrent pas le même spectre. Il y a plusieurs types d'UV. Il y a les UVA, les UVB. Quand on fait une association des filtres, c'est justement à la fin, quand on fait notre étude d'efficacité des produits solaires, ça va venir mesurer le SPF et la partie UVA. Donc demain, si on fait un solaire qu'avec un oxyde de zinc, on va être très vite limité. Non seulement on est limité par la réglementation parce qu'on ne peut pas en mettre indéfiniment dans la formule, mais en plus de ça, on ne va pas pouvoir atteindre des SPF très forts. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la meilleure combinaison, en tout cas nous, quand on fait des solaires minéraux, on est limité à ces deux filtres-là, mais on les associe ensemble pour avoir une meilleure justement efficacité. Demain, un solaire avec de l'oxyde de zinc uniquement ne va pas réussir à avoir un SPF aussi élevé qu'une association pour justement couvrir tout le spectre en fait des UV. Et c'est là toute la problématique. Il faut réussir à mettre un peu des deux filtres et pour réussir à la fin à avoir le fini le plus agréable que l'on souhaite. Et c'est pour ça que pour moi, rentrent en jeu aussi ces fameux boosters de SPF qui parfois peuvent nous aider en tant que formulateur, en tout cas, à avoir une texture plus sensorielle tout en ayant justement une bonne efficacité sur le produit. I'm going to still be tricky. When you test the products, when you create a product, do you focus on what is good for the consumer skin? Or do you bear in mind that this product will end up in the sea?
Oui, tout à fait. Et c'est là où c'est très compliqué encore une fois. Aujourd'hui, pour développer un solaire, on doit faire des tests d'efficacité pour prouver l'efficacité contre les UV. Mais tout ce qui est environnemental est très peu cadré en fait à date. Donc, il n'y a rien qui réforme ça. Il va y avoir des logos qui vont sortir. Je pense que Clémentine pourra plus en parler. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui cadre tout ça. Et on voit de plus en plus certaines études apparaître. Mais parfois, c'est limité, par exemple, à une espèce de coraux. Enfin, il n'y a pas une étude globale encore qui permet de tout évaluer. Et puis, on le voit encore quand il y a des études qui sont faites, comme on l'a vu dans la première partie. On avance sur ce terrain-là. Mais il n'y a rien qui permet aujourd'hui, en tout cas du point de vue de la réglementation, de pouvoir justement réguler tout ça auprès des marques. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de greenwashing. C'est qu'on a, on n'a pas de réponse clé, on n'a pas de test clé pour tous les organismes marins, justement. Et c'est là où la limite, elle est aussi. Pour l'efficacité, on a de quoi, en quelque sorte, parce qu'on a des tests normés selon l'ISO. Mais pour tout ce qui est protection de l'environnement, on a beaucoup encore à faire, je pense, de méthodes à développer. Et surtout, il faut faire attention, c'est que voilà, il ne faut pas extrapoler sur... voilà, on a fait une étude sur une espèce, ben, est-ce que c'est valable pour tout? Et c'est là où c'est très compliqué encore à date. Et il faut qu'il y ait, à mon avis, selon moi, beaucoup de recherches encore à ce sujet. Dr. Craig Downs, can the scientists help the manufacturers in that way? I mean, SPF, it's the same everywhere in the world, but I mean, the regulation, there is something that needs to be done to have this kind of regulation to protect the ocean, to protect the coral reefs. Yes, so scientists can help the manufacturers, both from a ecotoxicological or environmental perspective, also from an SPF perspective. So one example is zinc oxide mineral sunscreens. One of the reasons why mineral sunscreens, especially those with zinc oxide, are found to have a lower SPF level than what they're supposed to have when they were first tested is because many of the formulas are acidic. They have a low pH, and that dissolves the zinc oxide, and that creates toxicity for the environment, and it reduces the SPF level. So, for example, we've been working with a number of manufacturers, anyone who will listen to us, to pH balance their sunscreen by making it neutral or slightly alkaline around pH 8. So that's one way of going at creating a better SPF product, as well as making it safer, because you don't want a lot of zinc ion, dissolved zinc oxide, in the water, because that can be very toxic to marine organisms. The other thing is, you know, many of the chemical sunscreens, they just weren't tested well. They were tested back in the 1980s and 1990s. Yeah. And we've really come pretty far in toxicology and ecotoxicology. And so a lot of these chemicals need to be retested, looking at whether or not they harm DNA, whether or not they harm reproduction, whether or not they're endocrine disruptors. And so manufacturers are looking at this, and a lot of small innovative companies are looking at what are called supplemental SPFs. They increase the SPF in collaboration with other, like, mineral sunscreens, or like Tinosorb S or Tinosorb M, reducing the amount of Tinosorb S or M, as well as zinc oxide, so that it makes the product a little bit better to apply onto the consumer, so it's not so white. And then mineral sizes. One of the things we've been telling manufacturers for the last 4 years is nano, like zinc oxide, is dangerous. But if you have a size of like 100 nanometers, 120 nanometers to about 400 nanometers, it's a really good a product, because it goes on white. You know, you apply it to your skin, it's where it's white, but then it begins to fade and basically becomes transparent. So it's no longer mm-hmm. white. It allows the person to see where do they apply it and where isn't it applied. And again, it's not a nano zinc oxide. So again, that's better for the environment.
Can we be optimistic? Will we find a solution? I begin with you, Dr. Cray Downs. If we work together, I mean together, saying meaning manufacturers, scientists, and lawmakers, can we find a solution? Does the perfect UV filter will exist one day? The perfect sunscreen? I'm very hopeful. I think the partnership between scientists, manufacturers, and government regulators can be a good one. I think what we've seen in the last 5-6 years is the inertia of industry doing things the way they've always done. And when my colleagues and I have published a number of our scientific papers and said, hey, there's a danger to the environment, that has woken up the industry, and the first thing they go to is innovation. And there are a lot of new innovative formulas out there. There's a lot of new innovative ingredients out there, and they need to be proven to be safe and effective, but that's the investment that industry has to invest. You know, that's what industry has to invest in, is to make sure that they're safe and effective. Vous y croyez à cette crème solaire? Je vous vois tout de suite hocher la tête. Oui, on va y arriver. Oui, j'ai envie d'y croire parce que tout simplement, depuis les dernières années, j'ai l'impression quand même que les choses ont évolué. Moi, je pense que le point clé, ça sera vraiment de pouvoir combiner en effet les différents acteurs, que aussi au niveau de la réglementation, ça puisse bouger. Voilà, on a une réglementation qui date un peu. On est aussi là pour faire pression. Mais si tous ensemble, avec la recherche et aussi avec toute la partie réglementation, on arrive à faire évoluer les choses, moi, je crois que demain, on arrivera à avoir un solaire comme ça. Oui, moi, de même, si je travaille dans cette industrie, c'est parce que je reste très positive. Non, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'améliorations qui sont faites. Là, par exemple, si on parle de la problématique packaging, typiquement, aujourd'hui, il y a quand même des solutions qui sont de plus en plus trouvées, alors que pendant des années, on s'est dit, bon, voilà, les crèmes solaires, elles sont très fragiles en termes de conservation de formules, donc on n'arrivera pas forcément à trouver des formats qui sont plus responsables. Aujourd'hui, voilà, on arrive à faire des formats qui sont soit rechargeables, soit sans sur-emballage, soit solides, typiquement cette année. Et en termes de formule, je pense que oui, la recherche semble être bien active sur le sujet. On voit qu'il y a des recherches sur des algues, typiquement, ou la biomimétisme sur voilà, ce pouvoir de la nature, en fait, sur leur pouvoir anti-UV. Donc oui, on espère à terme pouvoir arriver à avoir des filtres totalement végétaux, comme on fait aujourd'hui avec, par exemple, l'huile de Carranja en termes de protection, quoi. La petite Gabi, vous donnez quoi comme conseil à votre communauté? Si vous aviez un conseil à donner pour choisir, là, on est au mois de juin, pour tous ceux qui sont en Europe. For those living in Europe, I mean, June is the right moment to buy the sunscreen. What kind of advice could you give to the dear community? Le conseil que je leur donne, c'est avant tout de bien se protéger, de ne pas s'exposer entre 11h et 16h, enfin, aux heures les plus chaudes finalement. Et effectivement, moi, j'opte plutôt pour une crème solaire minérale, notamment à Corel, qui est un grand format. Mais c'est vrai que voilà, bien se protéger et aussi user de tout ce qui est vêtements anti-UV pour les enfants, où forcément, on a moins besoin d'appliquer de crème solaire, etc. Donc oui, chapeau, crème solaire, combinaison UV, lunettes de soleil, et ne pas trop s'exposer aussi. Voilà, avoir une bonne hygiène finalement de solaire le plus possible et le moins et en tout cas essayer de pas trop s'exposer. Last question before we wrap up. Oui, une question plus d'ordre réglementaire, plutôt à votre destination. Aux États-Unis, les crèmes solaires tombe dans la catégorie des médicaments en termes réglementaires. Est-ce que vous verriez d'un bon œil que ce soit la même chose au niveau européen, sachant qu'aujourd'hui, les crèmes solaires sont classées comme cosmétiques, dans la catégorie des cosmétiques? Alors, tout à fait, c'est un très bon point. Moi-même, j'ai fait, par exemple, une partie de mes études au Canada. Au Canada, c'est aussi un médicament. Pourquoi on le classe tel quel? Tout simplement parce que demain, si on ne se protège pas du soleil,
on sait très bien qu'on peut avoir un cancer de la peau. Donc, si notre produit ne marche pas, c'est pour ça qu'on insiste sur l'efficacité du produit, on est exposé à un grand danger. Donc, c'est pour ça que dans ces pays-là, il a été fait le choix de le positionner comme un médicament dans le sens où si ça ne fonctionne pas, on est en danger. Par exemple, si on prend un produit de soin, donc concrètement, par exemple, une crème hydratante, demain, si notre crème hydratante, imaginons, elle ne marche pas, on n'est pas directement exposé à un danger. Par contre, au niveau des produits solaires, c'est bien, bien et bel le cas. Moi, je pense que, je ne sais pas si en Europe, en tout cas, on a tout intérêt à faire ça. Je pense surtout qu'on a tout intérêt, en fait, à cadrer un peu plus les choses, notamment sur les tests. Donc, on parlait sur l'efficacité, mais également, du coup, sur l'environnement. On n'a pas de cadre encore à ce stade-là. Et peut-être pas le faire passer, en tout cas, dans les médicaments en Europe, mais une chose est sûre, que ce soit vraiment bien encadré. Et c'est un des produits sur lequel, je le disais, c'est les plus durs à formuler, mais c'est aussi parce qu'on a beaucoup d'attentes sur ces produits, notamment en termes sanitaires. Donc, plus axé sur ça, sur la vérification de la réelle efficacité du produit. Déjà, ça serait une grande étape en Europe, je pense, de se fixer sur ce point-là. Madame, oui. On va vous amener un micro, madame. Oui, bonjour, merci pour vos informations. Moi, je voulais savoir si, ben, par exemple, là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans vos avancées scientifiques, vous avez parlé des applications, des consommateurs responsables qui vont scanner. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là-dedans aussi. Nous, on arrive, parfois, on a 2 minutes pour choisir, pas à lire toute la composition et à se rappeler. Est-ce qu'on peut faire confiance au label ? Comment on peut faire dans le monde de tous les jours? Parce que c'est vrai, quand on est responsable et concerné, on fait un peu attention, mais c'est vrai que on est, je pense, très peu qu'on prend le temps de faire ça. Et donc, et comment on peut faire si on est dans le lambda, on va dire, comme vous avez dit, consommateur lambda? Merci, madame. Moi aussi, je voulais poser cette question. Mais comment, si demain, je veux aller m'acheter une crème, je fais comment pour choisir? Déjà, mon premier conseil, moi, ça serait de me méfier d'une note, tout simplement. Derrière, il n'y a pas forcément un argument scientifique. Vous parlez de label, c'est très intéressant parce que derrière, par exemple, si je prends un label du coup, d'un produit cosmétique qui est certifié bio, dans notre cas, quand on affiche ce label-là, on est soumis à un référentiel qu'on doit respecter. Donc, qui nous interdit, par exemple, certaines matières premières pour une bonne raison, qui va nous imposer, par exemple, d'avoir des procédés très propres pour la planète. Et en fait, tous les ans, donc là, on y était il n'y a pas si longtemps que ça, on est audité par un organisme qui vérifie qu'on le respecte, ce point-là. Donc, quand on voit un label, en tout cas, si c'est un logo qui fait référence à un vrai label, derrière, en tout cas, il y a des audits, il y a des vérifications. Donc ça peut être un point clé. Encore une fois, il faut se méfier de certains logos. Mais c'est ce que j'allais dire. On fait comment pour savoir quel label? Alors, souvent, justement, si c'est un label reconnu, on va pouvoir le retrouver tout simplement sur Internet. Il y a une vérification derrière. Si c'est un logo, c'est la première fois qu'on le voit. C'est souvent la marque qui a peut-être créé le logo. Donc, c'est très compliqué. Mais en tout cas, en termes de label, pour justement pouvoir dire ce produit-là, il est comme ça, ce produit-là, il est comme ça, moi, c'est ce que je recommande. Si on souhaite un produit, par exemple, justement, qui soit bio, on sait que on va avoir un certain logo. Il n'y a pas tout qui est cadré comme ça, malheureusement. Encore une fois, on le disait, pour l'environnement, ce n'est pas forcément le cas. On n'a pas encore d'organisme certificateur avec des audits. On n'est pas assez avancé sur le sujet encore, je pense. Mais demain, moi, j'espère que on bannisse en gros ces faux logos et qu'on arrive à avoir des logos assez clairs. Et peut-être pour rebondir un peu aussi avec les produits qu'on va retrouver peut-être aujourd'hui en France, certains logos en France ne seront pas les mêmes à l'étranger. Donc, c'est très dur pour le consommateur de s'y retrouver. Je n'ai pas de conseil idéal. Moi, ce que je pourrais dire sur l'utilisation peut-être de ces applications, moi, je suis vraiment pour faire comprendre au consommateur qu'est-ce qu'il y a dans sa formule, lui dire, cet ingrédient, il sert à ça. Est-ce qu'il est biodégradable ou non? Avoir des informations concrètes. Hein. Et moi, la seule application que je connais qui ne va peut-être pas donner une réponse immédiate, c'est l'application Claire qui a été lancée par la FEBEA. Cette application, on scanne concrètement la liste d'ingrédients. On ne scanne pas directement le code barre parce que des fois, le code barre, ça ne réfère pas à la dernière version de la formule. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas concret. On scanne les ingrédients et on comprend quels les ingrédients, à quoi ils servent, chaque ingrédient. Et on a des informations. Et ça, c'est sur des bases scientifiques, tout simplement. Et ça a été ça a été créé par la FEBEA. Donc, cette application, je pense qu'elle n'est pas très connue encore. C'est vrai que ça ne va pas donner une note. Ce produit est bien, ce produit n'est pas bien. Mais derrière, c'est vrai que si on s'intéresse à ça et si on peut se le permettre, on va pouvoir décider par soi-même quel produit correspond le plus à nos attentes, en fait.
Après, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Et je pense que juste se pointer en magasin, si on ne connaît pas les marques et regarder les claims qu'il y a sur des packaging, malheureusement, bah, vous ne pourrez pas choisir lequel est le meilleur produit entre l'un ou l'autre. Et je pense que dans une logique de déconsommation croissante, je pense que ça vaut le coup de prendre le temps de vraiment se documenter en amont sur des marques ou des produits et ensuite de faire vraiment confiance à des marques sur les développements qu'elles peuvent faire multigamme. Mais voilà, aujourd'hui, comme disait Céline, un logo avec des poissons, des coraux, ou voilà, ça, c'est forcément des logos qui ne sont pas encadrés. Quand vous les avez en facing, en général, ils ne sont pas non plus. C'est juste des logos qui sont créés par les marques et qui ne sont pas du tout prouvés. Donc, je pense que l'information reste quand même au cœur de cette consommation-là et qu'en rayon, ça ne suffit pas à sélectionner un produit qui est mieux qu'un autre. Donc, pas encore de solution à date. We're gonna work on that. Peut-être que le docteur Kotz pourra peut-être répondre parce qu'on nous parle aussi du label Coral Safe. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur ce label? J'ai l'impression que pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, il n'existe pas un label Coral Safe. Il existerait un label s'il avait été, au niveau français, breveté par l'État, donc par les ministères. Et une étude est en cours. Je sais que le ministère de l'Environnement a commandité à l'ANSES une étude sur l'impact des perturbateurs endocriniens, notamment, et donc sur les crèmes solaires. Bon, moi, je n'ai pas vu les résultats encore pour l'instant, mais au niveau international, il n'y a pas de label. On en parlait avec Marc à l'instant. Comme par hasard, justement, on a toutes les crèmes aujourd'hui ont un petit logo qui différencie avec une jolie branche de corail. Et je reprends l'image de l'arbre qui cache la forêt. Quoi. Ou des dauphins. Voilà. Et des dauphins aussi. Ouais. Je rappelle que le corail, c'est jamais qu'une partie du récif corallien et des écosystèmes, des autres types d'écosystèmes marins. Et que donc, c'est vrai que ça parle parce qu'on fait beaucoup de communication. C'est vrai que c'est une priorité mondiale. On sait que les récifs vont pas bien et que là, on peut agir. Moi, ce que je continue et je me bats là-dessus depuis 10 ans, c'est de dire on ne peut pas tout faire à la fois, mais c'est l'histoire du colibri, hein, collectif, c'est que sur ce sujet-là, nous avons des solutions. Pas demain, après-demain, et on doit y travailler. Et donc, le combat qui est à mener, c'est de tendre vers ces solutions plutôt que de baisser les bras et dire on ne va pas y arriver. Et pour répondre bien au logo, voilà, il existe une foultitude de coraux, mais à ma connaissance, il n'y a pas un label ni international ni national qui existe. Mais j'ai envie de dire, quand on voit le chemin parcouru depuis 10 ans, on est un espèce de changement de modèle, d'où cette conférence et les autres qui se produisent. Et en fait, on peut espérer que la phase qui va arriver, le nouveau cycle qui va s'enclencher, lui sera très vertueux. Voilà, et qu'on aura un label dans 7 ans, en gros, pour résumer, compte tenu de la vitesse de nos systèmes de décision. I might get fired, but dear European Commission, we need you. We need you to act. We need labels to understand what we are buying when we go to the grocery shop, and we don't have 2 hours to decide on whether we should choose this cream, the other cream. We need labels. We need to understand what is actually happening when we put on some sunscreen. Thank you so much. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Juste une petite précision, Anne-Laure. Est-ce que vous avez parlé de la FEBEA, c'est FEBEA, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, c'est la Fédération des entreprises cosmétiques. Donc, qui va défendre justement les sociétés cosmétiques en France. Et c'est des scientifiques. Donc, en fait, l'idée de monter cette application, c'était dans le but justement d'informer correctement le consommateur, pas l'influencer sur son choix. Parce qu'on ne peut pas savoir ce que souhaite réellement le consommateur, mais lui expliquer, voilà, dans la formule, il y a ça correspond à telle action. Demain, si on se renseigne sur ça, ben on peut être en mesure, chaque consommateur pourra être en mesure de pouvoir justement choisir son produit selon son âme et conscience avec ses choix. Est-ce que vous pouvez juste nous redonner, les personnes qui nous suivent sur Zoom nous redemandent le nom de l'application dont Alors, vous avez parlé tout à l'heure? Elle s'appelle Claire, comme le prénom, Claire. Merci pour eux. C-L-A. IRE, for those following in English. La petite Gabi, merci beaucoup. On va continuer à suivre vos conseils. Ouais, j'ai quelque chose à dire à propos justement de l'application Claire. Ce qui est très curieux, c'est que quand on regarde un peu à propos du Liral notamment, qui a été interdit récemment dans les cosmétiques, sur Claire, il n'est rien écrit comme quoi il est interdit actuellement. Je pense que c'est tout simplement justement c'est tout récent en quelque sorte, la réglementation, c'est vraiment un élément qui est sans cesse en mouvement. Donc, je pense aussi qu'il faut malheureusement un peu laisser le temps à l'application de bouger. Mais moi, c'est vrai que ce que je trouve comparé à d'autres applications,
en tout cas, c'est qu'on ne cherche pas à influencer le consommateur. Et voilà, c'est basé sur des fondements scientifiques. Alors, en effet, c'est possible que sur cet ingrédient-là, c'est quand même assez récent qu'il ait été interdit par le règlement cosmétique. Ce n'est pas encore à jour, mais si on recherche du fondement scientifique, c'est sur cette application-là qu'il faut se baser, tout simplement parce que ça a été justement développé avec des scientifiques. Et puis, moi, le point clé pour moi, c'est de ne pas influencer le consommateur, c'est de lui expliquer et ensuite qu'il puisse faire son choix en âme et conscience. Et cette application-là, en tout cas, pour moi, c'est la seule que je connais à date qui répond à ces critères-là. Ah. Après, moi, je ne suis pas d'accord parce que, pour le coup, la réglementation pour le Liral, enfin, contre le Liral, les lanceurs d'alerte ont été alertés il y a une dizaine d'années. Donc, finalement, un peu comme le cas des crèmes solaires. Et la réglementation est passée il y a plus de 3 ans, au moins. Alors là, c'est vrai que pour ce cas, moi, j'ai pas l'ingrédient type. Hein, mais c'est sûr que je pense que peut-être que l'application dont tout le monde rêve, personne ne l'aura. C'est-à-dire que moi, si j'ai bien compris, le consommateur, il a pas envie de passer du temps. Enfin, en tout cas, il n'aura pas forcément ce temps-là aussi à s'informer sur tous les ingrédients. Moi, je suis vraiment, en tout cas, sceptique sur ce type d'application qui oriente le choix. Et si on doit se référer à une application qui est basée sur des fondements scientifiques, moi, c'est la seule à date que je recommanderais, en tout cas, aux personnes de mon entourage, parce que c'est celle qui est le plus, justement, basé sur ce qui se passe actuellement sur la réglementation. Après, je suis d'accord, voilà, il doit y avoir des impairs. Je pense que voilà, vous en avez relevé un. Mais si on fait la globalité des applications qui existent, pour moi, ça restera en tout cas celle que je préférerais recommander et utiliser comparé à d'autres applications. Après, il y a tout qui... Voilà, on peut toujours faire mieux, ça, c'est certain. Dr. Craig Downs, I guess I have an idea. Maybe people who are looking for the perfect cream should give you a call. So that you explain us what is in that cream and you tell us if it's good sunscreen or not. What do you think? No. No, I mean, one of the problems is the word safe. You know, I know EU doesn't allow, and now in the US, many places don't allow animal testing of sunscreens, of the final product. And until you do that, you can't actually say whether or not the product is safe. I was following what your two guests were saying, but my French is horrible and they speak so quickly. So I wasn't able to understand everything they said. Again, that's my fault. I'm sorry. But No, that's one of the big problems is manufacturers not being able to test their product because of animal cruelty. I think, again, there's innovation in science to get around that. There are ways to do toxicity testing without testing those animals directly. And again, it would be great for the EU Commission and EU Reach to bring scientists and manufacturers and consumers together to address those concerns, because it is possible. There's so much great innovation out there. You know, we shouldn't be in this situation for too much longer. Thank you so much. Thank you very, very much, Dr. Craig Downs. Merci beaucoup, mesdames. Merci, merci. À la petite Gabi. Merci à vous. Before we wrap up, just a few seconds of attention, please, because we are welcoming Marc Valmassoni. Marc is a coordinator of the Water and User Earth Campaign for Surfrider Foundation Europe. À vous, Marc. Une mini synthèse juste avant l'apéro, pas le plus évident. Du coup, moi, je tiens à remercier en fait l'ensemble déjà des partenaires, des gens avec qui on a pu discuter, hein, l'ensemble des gens dans le public. Merci aussi à Nord pour l'invitation, en tout cas aujourd'hui sur cette conférence. Comme on pouvait s'en douter, hein, c'est une thématique qui passionne, c'est une thématique qui est complexe, on l'a vu, hein, les différents avis divergent et convergent, pardon pour les micros. En gros, depuis les années donc 35, on le voit, hein, depuis qu'on a parlé de ces premiers soins solaires protecteurs, leur composition elle a aussi bien évolué, notamment suivant aussi la tendance. Donc, que ce soit le lien qu'on a avec les sports outdoor, ou que ce soit par rapport à notre couleur de peau, on l'a évoqué tout à l'heure, mais également à l'endroit géographique où on est tous concernés en fait, par la thématique des crèmes solaires, on s'en met tous.
Cette conférence, elle avait pour but, donc je le rappelle, Gilles l'avait, émis en introduction, on voulait vous donner quelques billes, quelques clés, en fait, pour que vous puissiez vous faire aussi votre propre idée sur ces crèmes solaires, sur l'utilisation de, enfin, sur les différents filtres qu'on pouvait retrouver dans ces produits. Et au travers de ces débats et de ces présentations, ce qu'on a voulu mettre, c'est l'aborder sous différents angles. Donc, je pense que c'est relativement réussi, ce qu'on avait effectivement fait en deux parties. La première partie était plutôt, donc, on va dire, scientifique, avec pour objectif de montrer un petit peu l'impact que pouvaient avoir les crèmes solaires, ces solutions de protection solaire sur l'aspect sanitaire, mais également sur l'aspect environnemental et biodiversité. On a pu le voir et le constater, donc les filtres, on en retrouve dans la colonne d'eau, on en retrouve dans le sédiment, dans le biote, donc on peut retrouver dans les organismes marins. Moi, ce que je peux retenir en fait, de cette première table ronde, c'est vraiment l'importance, et on l'a souligné, c'est de continuer la recherche, continuer des projets d'innovation, de compréhension. Pourquoi ? C'est tout simplement pour apprendre, pour mieux comprendre, et justement informer, alerter aussi les pouvoirs publics, les gens avec qui on travaille, mais également les citoyens qui sont eux-mêmes les décideurs. La seconde partie, elle a permis de donner la parole donc, justement à un panel différent, donc aux professionnels aussi de la thématique et du secteur qui ont pu exposer leurs difficultés, les enjeux auxquels ils font face aussi eux tous les jours, et de proposer des solutions vers lesquelles eux ils se challengent et auxquelles eux ils nous challengent également. Ben ainsi, on espère que ces présentations, elles ont pu vous enrichir. Donc, voilà, face aux enjeux sanitaires et aux enjeux environnementaux qui gravitent autour de la thématique des crèmes solaires. Je rappelle juste que nous tous, usagers de la mer, usagers nautiques, citoyens, on est tous des consommateurs, on est tous responsables de nos gestes quotidiens. Voilà, je vais conclure sur ces petits mots-là. Encore une fois, merci à tout le monde. Ce que je peux vous proposer, c'est d'aller juste derrière sur ce petit catering, petit apéro, et on continue les discussions autour de la table. Voilà. Thank you very much. Thank you. Thank you to all the panelists. Thank you to you in the audience. Thank you for following us. Hope you got a lot of information for yourself. Thank you so much to the translators who did a great job today. Stay safe. Well done to Surfrider Foundation Europe. Stay in the shade. Protect yourself and protect the ocean. Bye-bye.